skirt out in the whip, but do not crash. See you looking at me, hater, why you look so mad? Pull off of the car lot, push button at hard top. Las Vegas at the Hard Rock, you can see the time on my smartwatch. Bent out in the penthouse, still a player with the pimp mouth. Your girlfriend is my friend now, and she loving it when we spin out. Hop in the Porsche, I go fast, go fast, go fast. Hop in the Rory, go fast, go fast, go fast. Girl out in the whip, but do not crash. See you looking at me, hater, why you look so mad? Hop in the Porsche, I go fast. Skirt out in the whip, but do not crash. See you looking at me, hater, why you look so mad? Pull off of the car lot, push button at hard top. Las Vegas at the Hard Rock, you can see the time on my smartwatch. Bent out in the penthouse, still a player with the pimp mouth. Your girlfriend is my friend now, and she loving it when we spin out. Hop in the Porsche, I go fast, go fast, go fast. Hop in the Rory, go fast, go fast, go fast. Skirt out in the whip, but do not crash. See you looking at me, hater, why you look so mad? Hop in the Porsche, I go fast.
Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch et sur la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui Match Center avec monsieur Trippi Makonda. Trippi, comment ça va? Écoute, ça va bien et toi? Ça va super. Je t'entends bien, je t'entends parfaitement. Aujourd'hui, match entre Brest et le Paris Saint-Germain. Trippi, toi, tu as joué au Paris Saint-Germain, tu étais formé au Paris Saint-Germain et ensuite, tu es parti au stade brestois. Du coup, vraiment, c'est ton match celui-là. Ouais, c'est un match spécial. Deux équipes dont j'ai eu la chance de jouer, le Paris Saint-Germain, mon club formateur, et avec lequel j'ai joué durant trois saisons professionnelles, et le stade brestois qui m'a accueilli durant trois ans et demi. Donc ce fut aussi des belles années là-bas d'apprentissage. Et c'est vrai que je suis content de voir de commenter ce match avec toi ce soir. Alors on va voir cette rencontre de Ligue 1. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Brest justement? Comment ils sont actuellement? On sait qu'ils sont dans une zone assez compliquée au classement. 15e actuellement, c'est compliqué pour eux cette année, sachant qu'il y a 4 descentes. C'est vraiment un match plus qu'important pour eux. Tous les matchs sont plus qu'importants, donc faut pas prendre ce match à la légère pour le Paris Saint-Germain. Oui, c'est un match important pour Brest pour s'éloigner encore de la zone de relégation, cette zone rouge. Ils ont été vainqueurs face à Strasbourg la semaine dernière, 1-0. Maintenant, avec un nouvel entraîneur comme Eric Roy qui est arrivé sur le banc du côté du stade brestois, il essaye aussi d'apporter une nouvelle dynamique à cette équipe. Ça reste quand même une équipe difficile à manœuvrer avec un bloc assez bas, mais qui arrive à procéder en contre avec Honora sur le côté, qui est très intéressant dans les contres et un milieu très travailleur. Alors on verra ça pendant ce match avec justement la composition parisienne également. Les Parisiens qui sont en déplacement à Brest pour se relancer dans cette Ligue 1 après cette Ligue des Champions. Le PSG qui a une belle avance en Ligue 1. Maintenant, il faut la continuer cette avance et aller chercher ce titre, ce 11e titre de l'histoire de la Ligue 1 pour les Parisiens qui serait justement le club le plus sacré en Ligue 1 devant Saint-Etienne. Pour l'instant, on est à égalité avec Saint-Etienne. Cette année, c'est l'année pour se démarquer justement. La composition parisienne avec Donnarumma dans les cages. Nuno Mendes, Danilo, Sergio Ramos et Timothée Pembe sur le côté droit. Fabien Ruiz, Zaire Emery et Verratti au milieu de terrain. Et devant, Léo Messi, Kylian Mbappé et Carlos Soler également. Voilà, on est retour sur un 4-3-3 visiblement, Trippi. Ouais, un 4-3-3 parce qu'il y a eu des absences. De toute façon, c'était soit 3-4-3 comme on a pu le voir ou 3-5-2. Là, on est retourné sur un 4-3-3 avec le nombre d'absences défensivement que le PSG a dans son effectif. Donc à voir maintenant si ça va être pas un 4-3-2-1 ou un 4-3-1-2 pardon, avec peut-être Messi en numéro 10, Soler qui va occuper le côté droit et Mbappé le côté gauche et la titularisation de d'Emery Zaïre au milieu de terrain pour un peu tourner l'effectif car face au Bayern il y a eu énormément de courses de la part des milieux de terrain. Ah, c'est vrai qu'on avait perdu quelques joueurs malheureusement ces derniers jours du côté du Paris Saint-Germain. Entre les blessures, les fatigues et surtout les blessures, faut pas se le cacher, beaucoup de blessures du côté du Paris Saint-Germain. C'était pas forcément le mois le plus facile pour le Paris Saint-Germain avec beaucoup de petits pépins physiques. Le bon également côté parisien, on va retrouver Juan Bernat, Sergio Rico, Vitinha, Renato Sanchez, El Shaddai Bichabu, Ismaël Garbi, Hugo Ekitike et Alexandre Letellier. Le coup d'envoi va être donné dans à peu près quelques secondes. Salut Arsène et Trippi, salut Guadacanfri, salut à tous sur YouTube et sur Twitch. Bien sûr, on va lire les deux commentaires, mais n'hésitez pas sur le chat YouTube et sur le chat Twitch à interagir avec nous. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des informations à savoir sur ce match, quoi que ce soit, on sera là pour y répondre. Alors Trippi, ce match, c'est le tien. Quel joueur il faut avoir un œil sur quel joueur, pardon, du côté du stade brestois? Est-ce qu'il y a un joueur vraiment, il faut être vigilant? Non, ouais, Franck Honora, il faut être vigilant. C'est un joueur qui aime bien provoquer, qui a une bonne pointe de vitesse, donc il faudra faire en profondeur si le Paris Saint-Germain a la position du ballon. Donc il faudra faire attention à tout ça. Sur Canal Plus Sport 360, hein. Pour ceux qui demandent sur le chat, la chaîne du match, le diffuseur du match, et ça va commencer dans quelques petites secondes. Il y a le chrono juste au-dessus, l'arbitre qui regarde son sifflet, il est 21h pile, on attend le coup d'envoi, et normalement, ça devrait être parti. C'est parti dans ce match, le coup d'envoi donné par Kylian Mbappé. Brest, Paris Saint-Germain, le PSG doit continuer sa belle série en Ligue 1 depuis cette victoire contre Marseille, et grappiller le maximum de points possible pour bien sûr prendre une belle avance sur les Marseillais et sur les Monégasques.
27e journée de ce championnat. Il y a déjà eu une journée hier avec notamment un Lille-Lyon qui s'est soldé sur un 3 partout. Une belle journée. Trippier, aujourd'hui, comment tu sens ce match? Quel est ton pronostic? Et également, comment tu vois un petit peu ce match dans sa philosophie? C'est un autre match après l'élimination en Ligue des Champions. Donc là, on retourne au championnat. C'est aussi un objectif majeur, le championnat, d'être vainqueur pour la 11e fois dans cette Ligue 1. Donc je pense qu'ils vont être sérieux. Là, on voit qu'on a le ballon dès le début du match. Donc à voir maintenant comment aussi Brest va se comporter. Ah, forcément, il faut réagir, rebondir. Et les Parisiens, on sait qu'ils sont concentrés pour ça. Et ils veulent absolument ce 11e titre de championnat. Donc maintenant, c'est la tâche qui va impliquer tous les Parisiens. Allez, Danilo derrière avec Zeremri. Zeremri titulaire aujourd'hui pour ceux qui nous demandent sur le chat. Ça a commencé, oui ça a commencé. Vous avez le chrono juste au-dessus, on a 1 minute 19 actuellement. 1 minute 20. Et vous pouvez voir également les compositions, les statistiques. Tout sera affiché sur ce match center malheureusement. À part le match, on aimerait bien. Allez, la perte de balle des Parisiens sur le côté. Récupération du côté du stade brestois. Toi qui as joué là-bas, Trippi, comment est... Et la météo en général, en ce mois de mars, en général en Bretagne, c'est pas forcément le plus plaisant, non? Oh, sur le microclimat, il peut avoir un peu de crachat de pluie, mais ça peut changer très rapidement, tu sais. Tu peux être là en train de regarder par la fenêtre, dire ah punaise, il pleut et tout, et à un moment donné, boum, 10 minutes après, il y a un grand soleil. On connaît ça. Salut Rio, bienvenue. Il y a une autre qui arrive sur le chat Twitch et sur le chat YouTube. Parlez mieux de la Bretagne. On aime tous les Bretons, vous inquiétez pas. Juste le temps, parfois, Je ne critique pas. J'ai passé de très belles années en Bretagne, et notamment à Brest dans le Finistère. Mais moi, la première année, quand je suis allé là-bas, il faisait beau. Hein. Carlos Soler n'est pas dans le 11, on me dit sur le chat. Ouais, c'est vrai que c'est pas écrit, je vais le rajouter. Petit bug là sur l'affichage. Hop, Carlos Soler, on va le mettre juste ici. Et là, c'est bon. Merci le chat qui est réactif comme d'habitude. Allez, on va retrouver Sergio Ramos. En retrait avec Danilo Pereira. On va passer à gauche. Nuno Mendes, Mbappé qui a bien décroché. Pour l'instant, on a un bloc de Brest qui est très très bas. Les Parisiens vont devoir... Je suis un peu en avance sur toi. Ouais. Je suis à 2 minutes 59. Ouais, j'ai un peu d'avance. Verratti, la combinaison des Parisiens. Mbappé qui est trop en profondeur. Mbappé, la frappe croisée. Contré, on demande une main. Mbappé qui demande une main, on demande un penalty. Il est persuadé qu'il y a Mbappé qui a le brassard aujourd'hui de capitaine d'avoir une main sur cette action. Il va avoir la VAR, je pense, de toute façon. La frappe d'Mbappé. Ça dépend. Ça dépend si. C'est retouché par la main par le joueur derrière. Mais après, c'est dans son élan. Ah, si. Ah, la main est bien décollée du. Du corps ici, ce sera une main, ce sera un penalty. Normalement, je pense, après... Ah non, ça joue. Il y a pas eu de VAR. Parce qu'en fait, ça a touché. Parce ça, a touché ça a touché le corps avant ça. Ouais, il a contré le ballon et après, dans son élan, sa main a été levée. Autant pour moi, c'est vrai que cette nouvelle règle, maintenant, ça touche le corps avant et qu'après, ça rebondit sur la main. Il n'y a pas main. Donc, ce n'est pas considéré comme une main. Pas de main pour les Brestois ici et pas de penalty pour Kylian Mbappé. Le recordman de but au Paris Saint-Germain. Avec 201 réalisations. Et puis il faut qu'il marque parce que Jonathan David est à 19 buts, il en a 18. Ouais, c'est vrai qu'il en a mis 3 hier. Et ça, c'est très motivant, on le sait, pour Kylian Mbappé d'être à la tête de ce classement des buteurs où il a été de nombreuses fois d'affilée et il veut continuer à être justement le meilleur buteur de ce championnat. On aperçoit le banc parisien bien couvert. Allez, Marco Verratti, la passe dans l'axe vers Léo Messi qui va chercher en profondeur, quelle super passe là vers Fabien Ruiz qui attend une solution, le centre au deuxième poteau, oh malheureusement c'est mal repris par Carlos Soler ce ballon, mais touche pour les Parisiens. Et puis est-ce que t'as réussi à actualiser et à retrouver le même timing ou pas? Je vais te faire ça tout de suite. J'ai exactement le même timing que tu vois au-dessus sur le retour, au cas où, ça peut t'aider. Ah, Pembele qui va gagner une touche sur le côté, sinon je mettrai pause 5 secondes pour qu'on soit en même temps. Jamais t'arrives pas à rejoindre le même timing que moi. Danilo. Dans l'axe. C'est bon, parfait. C'est bon, parfait. Ben Ruiz qui va écarter à gauche.
Ouais, je suis à 15 là, parfait, c'est bon. Parfait. Allez, Marco Verratti. Avec Nuno Mendes. La balle qui sort en touche, la passe contrée de Nuno Mendes. Sous les ordres de Christophe Galtier. Sur le chat, si bien sûr vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur YouTube ou sur Twitch. Ah, super couverture en profondeur là vers Nuno Mendes. Quel contrôle de la part de Nuno. Il pousse un petit peu trop ce ballon malheureusement. C'est sorti, il y avait eu un contrôle parfait de la part de notre latéral portugais. Mais derrière malheureusement il a un tout petit peu trop poussé cette balle. Ouais, c'est dommage, en tout cas on voit que le Paris Saint-Germain a le monopole du ballon. Essaye de contourner cette défense, ce bloc brestois par les côtés. Car Nuno Mendes touche énormément de ballons. Maintenant il faut que ça se débloque par une situation dangereuse, un centre. Un centre en retrait comme on sait bien le faire. Mais il faudra être patient en tout cas. À la touche pour le Paris Saint-Germain. Petit quiz pour toi Trippi, pour le chat également. Oui. Quel est le meilleur buteur du Paris Saint-Germain face à Brest? C'est Zlatan, non? C'est Zlatan Ibrahimovic avec 6 buts. Devançant Kylian Mbappé avec 5 buts. Dominique Rocheteau avec 4 buts et Safet Susic avec 3 buts. Donc Kylian Mbappé peut rejoindre Zlatan Ibrahimovic ce soir dans le classement des meilleurs buteurs face à Brest. Je pense que c'est la première fois que je réponds aussi vite. C'est vrai que tu as été très vif. Hein, parce que si je me souviens bien, Trippi, tu avais eu au marquage un jour Zlatan, si je me trompe pas. Je l'ai eu au marquage, oui, je l'ai eu au marquage sur PSG. Attention, attention. Je l'ai eu au marquage PSG-Brest au Parc des Princes. Mais je me rappelle d'un match où j'étais à Brest et j'étais en tribune. Où à un moment donné, Zlatan met son aile de pigeon là. Et je me suis levé, tellement que c'était beau. alors que j'étais pas parisien, j'étais en tenue brestoise. Mais t'avais le contrat avec Brest. Ouais. Allez, Mbappé sur le côté, la prise de balle elle est compliquée, mais il arrive à trouver une solution là, Kylian Mbappé. Derrière, pas de faute sur Nuno Mendes, c'est gentil. Honora qui va venir centrer le deuxième poteau, quel centre incroyable. Heureusement que c'était un tout petit peu trop profond vers Mounier ici, mais la trajectoire était magnifique de la part de Franck Honora ici. Ça va revenir ce ballon. Marco Verratti qui va dégager. Voilà, un petit moment fort pour Brest. Ouais, les Brestois là qui ont le ballon sur le côté gauche. Récupération de Timothée Pembele accroché derrière. Timothée Pembele très intéressant sur les dernières fois qu'on l'a vu justement sous les couleurs parisiennes. Et aujourd'hui, on sent qu'il est motivé. Pour l'instant, ce qu'il nous a démontré sur les fois où il est rentré, c'est très intéressant, Trippi. Ouais, il est aussi c'est quelqu'un qui revient d'une très grosse blessure, donc il y a toujours du temps pour pouvoir revenir et retrouver son niveau, mais ça va être grâce aux rentrées qu'il peut faire, et aussi à la confiance qu'il gagnera match après match, entraînement après entraînement, qui fera qu'il retrouvera son niveau, et puis même, ça lui permettra même d'évoluer. Where is Laure? Laure n'est pas là pour ce match aujourd'hui. Parfois elle est là, parfois non, ça dépend. Parfois Trippi est là, parfois non. Parfois je suis là, parfois non. On alterne entre nous trois. Elle est un peu plus là au parc. Laure est un peu plus là au parc, c'est vrai. Et parfois il y a également Fabrice qui fait quelques matchs center également. Ah, le centre parisien. Deuxième poteau, ça va revenir sur Fabian Ruiz. Fabian Ruiz qui va tenter sa chance. Non, la passe pour Mbappé. La nouvelle passe d'Mbappé vers Fabian Ruiz. Ce sera contré. Un petit peu trop facile peut-être ici. Dommage parce qu'il y avait une belle situation. Récupération. Récupération de Mendes. C'est contré. Ça va revenir dans les pieds brestois. Dégagement compliqué, intercepté par Marco Verratti. Verratti. La super passe vers Léo Messi. Messi, entrée de surface. Il recherche Kylian Mbappé, il est accroché. Ça revient dans les pieds brestois. Et le bon pressing derrière de Warren Zaïre-Emery. Il vient récupérer ce ballon. Oui, la feinte de corps derrière. C'est magnifique, c'est bien joué, ça c'est ce qu'on aime voir. Nos Titi ont du talent, Trippi. On récupère rapidement le ballon, donc ça c'est aussi intéressant. Maintenant, il faudrait qu'on arrive à marquer là cette occasion avec Mbappé. Il y avait Verratti qui était en retrait. Sur le chat, on a Anoxer 1-2-3 qui nous dit Warren Zaïre-Emery l'année prochaine. Oh, titulaire indiscutable. Peut-être. Je sais pas, après. Pour l'instant, il monte en puissance. Après, il est encore très très jeune, mais pourquoi pas. Tout est possible dans le football. Hein, quand on a du talent, bah, Trippi, y en a certains qui disent on ne parle pas d'âge et on le voit sur le terrain.
Non, après, c'est vrai qu'il est performant, mais toujours être prudent. Parce que c'est toujours une première saison. Il peut avoir toujours un contre-coup. Je me rappelle d'un joueur, Kamavinga, qui n'a pas fait une très bonne deuxième partie de saison après la première fabuleuse qu'il a pu faire. Attention. Allez, Fabien Ruiz sur le côté, le centre, contré, ça va revenir au deuxième poteau. Sur Léo Messi qui vient se rater malheureusement ici. Carlos Soler derrière qui a suivi. La barre transversale Messi qui ne pourra pas la remettre également. Ouh, la double action là pour les Parisiens. C'était pas loin de rentrer pour le Paris Saint-Germain. Le gros cafouillage là, les Brestois qui ont eu beaucoup de mal à se relancer. Léo Messi qui a raté la balle. Et derrière, Carlos Soler qui vient heurter la barre transversale. C'est touché par le gardien. Ouais, c'est touché par le gardien brestois ici. Bisous. On est passé par les côtés. Allez. Remise en jeu pour le stade brestois. 12e minute de jeu. En tout cas, c'était très très chaud là pour le stade brestois. Le PSG qui était à deux doigts de marquer, Trippi. Ah ouais, là c'était méga chaud. Mais on est passé par les côtés. Fabien Ruiz qui a adressé ce centre dans la surface. Face à un bloc, comme on dit. Oh, dommage. La balle contrée là de Fabien Ruiz vers Nuno Mendes. Le PSG qui continue de passer sur les côtés. Pour l'instant, ça a l'air de bien marcher dans ce début de match. Nuno Mendes, côté gauche. Fabien Ruiz. Ouh, la passe à Fabien. Je n'avais pas vu, je pense. Le joueur brestois ici. Et derrière, Warren Zaïre-Emery qui a très très bien couvert. Mais il est facile. Il est facile. Il est à l'aise. Il vient tout juste d'avoir 17 ans, le 8 mars, il y a 2 jours, 3 jours. C'est dingue de voir une telle facilité. Nuno Mendes pour Léo Messi. Messi le crochet, Messi le pied droit, Messi dans la surface, qui pousse un petit peu trop ce ballon. Ça va revenir. En tout cas, les Parisiens arrivent facilement à se retrouver devant la surface brestoise, et ça c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose, après moi c'est juste les contres qu'il faut faire attention. Pour le moment, on arrive à bien les gérer. Sergio oh Ramos. Là là, mon Sergio. La super transversale vers Carlos Soler. Tu sais que j'aime ça, Arsène. Tu sais que j'aime ça. Elle était belle. Verratti, Messi, ça combine bien, ça combine rapidement. À droite, Pembele qui a un peu d'espace. Le centre de Pembele, premier poteau. Détourné par la défense brestoise, ça va revenir. Pembele encore une fois. Pressé par deux joueurs, il est passé, Timothée Pembele. Allez, faut obtenir quelque chose. La balle perdue derrière. Et là, le pressing très haut des Parisiens qui devrait porter ses fruits. Et ouais, Sergio Ramos qui vient toucher ce ballon. C'est récupéré par Sergio Ramos. Il s'est un petit peu fait mal, je crois, non? Ouais. J'espère que ça va aller. Bon, ça a l'air d'aller. Zaïre-Emery, il prend cette balle. Avec Carlos Soler. Écoutez rapidement. Fabien Ruiz. La super passe vers Mbappé. On revient. On combine là devant la surface. Pardon, brestoise. Messi. Accroché, Messi la petite passe, ça revient sur Léo Messi, ça revient encore une fois à Carlos Soler. Faut tirer Verratti, la frappe contrée malheureusement. Pas de but pour les Parisiens, c'était pas loin. Ça chauffe comme jamais devant les cages brestoises. Et pourquoi il a tiré comme ça Verratti? Il a fait Ah, il a voulu faire une un passe. Un tir placé. Ouais, bon après c'est dommage, on est bien rentré là. La belle passe cachée de Verratti qui a accéléré le jeu et qui a permis à Messi de rentrer dans la surface de réparation. Dommage qu'on n'ait pas encore matérialisé ces occasions que nous avons. C'est vrai qu'on a beaucoup d'occasions. Pour l'instant, 14e minute de jeu. Le coup franc, le corner, pardon, pour Léo Messi. Ça va être tiré. PSG, plus de 3 buts, nous dit Franklin sur le chat. Vu comment ça démarre pour l'instant, il manque que la finition, mais ça part bien en termes de... Du nombre d'actions, le corner parisien, la tête manquée malheureusement Fabien Ruiz, qui la prend de l'épaule. Pourtant il avait de l'espace, il était assez seul là Fabien Ruiz. Mais je crois qu'il la prend de l'épaule si je me trompe pas Trippi. Ouais, la prend de l'épaule, là on revoit l'occasion de Soler, tir arrêté, qui touche parade, le montant et derrière. Ouais. Et après derrière la reprise du gauche de Messi. Allez, 6 mètres. Pour les Brestois, qui peinent à se relancer, qui peinent à produire du jeu pour l'instant. Tant mieux pour le Paris Saint-Germain. Attention. Mais attention, parce que là, il y a une possibilité de contre-attaque. Et tu l'as dit, sur les comptes, ça peut aller très très vite. Fadiga sur le côté, qui va servir Del Castillo. Del Castillo bien stoppé par Nuno Mendes. Et derrière, la fin de corps de Marco Verratti. Là, ça peut aller vite. Léo Messi, un petit peu bousculé.
Pas de faute. Ouais, là il fallait trouver le côté. Là, il y avait Nuno Mendes qui était parti. Il aurait dû le rechercher. Il y avait même un 2 contre 1 après qui pouvait se faire avec Mbappé sur le côté. Attention, attention, viens me remettre le chat Twitch si jamais il y a des commentaires. La frappe brestoise qui ne donnera rien. Alors, sur le chat, comment vous sentez ce match aujourd'hui? Quels sont vos petits pronostics également? Heureusement que Daniel a bien gêné là, cette frappe brestoise. Allez, remise en jeu parisienne. Pour l'instant, 80% de possession pour le Paris Saint-Germain, Trippi. C'est énorme comme stat là. Ouais, après, il faut que ça se concrétise, hein, parce qu'on a les occasions. Et tu sais que maintenant, la possession ne veut plus dire grand-chose. C'est vrai. Oh, le bon ballon. Ouverture oh, Danilo en profondeur vers Mbappé. Ça ne passera pas. Fabien Ruiz. Avec Carlos Soler, Mbappé. Dans la surface, la petite passe. Fabien Ruiz, le centre tire. Il y aura personne. Ouais, il manquait un peu de présence ici. Sur le chat, on voit bien un petit 2-1 pour le PSG, nous dit Milopi. Un 4-0 pour Aqualeur et un 4-0 pour Pikachu vs Tortank. Sos Brasileiros. Bom dia a todos do Brasil. Pipi, je peux vous parler un petit peu en portugais. Boa noite. Je sais pas, il est quelle heure là-bas? Au Brésil? A que hora ça doit être. Brasil, la prime, Brasil. C'est vrai que t'as joué un peu au Portugal également, Trippi, donc il doit avoir quelques bases de portugais petit peu. On essaye de garder la langue portugaise, mais c'est pas facile. Hein. Après, c'est latin, ça va. Possible. Non, moi, j'aime bien cette langue. J'aime bien surtout l'intonation des Brésiliens quand ils parlent. Tudo bem, il est 17h à Rio, nous dit Kaxor sur le chat. 3-0 pour le PSG, 4-1 nous dit l'IA. En tout cas, on voit beaucoup de buts aujourd'hui. Et pour l'instant, il y a de quoi faire. 19 ballons dans la surface adverse pour les Parisiens. Un seul du côté de Brest. On est bien, mais maintenant, ballons. Il faut concrétiser. Parce que là, autant d'occasions et aucun but. Faut terminer. Attention, un super ballon profond. Tu cours vite, la vérité. Par les Brestois. Heureusement que Nuno Mendes est une fusée. Tiens. Mais qu'est-ce qu'il va là, vite, Nuno Mendes. Là, la défense, là, elle a été... Ouais. La tête vers Mounier qui avait... Là, c'est seul ensuite. Pour vers Mounier. Fabien Ruiz. Avec Mbappé qui a décroché. Il y a le brassard hein, de capitaine et qu'il aura pour un petit moment en l'absence de Marquinhos et Kimpembe. Kimpembe pour un bon moment. Et Marquinhos qui est également blessé un petit moment. Donc voilà qu'il y a Mbappé qui récupère ce brassard. Danilo. Dani. Avec Zaire Emery. Marco Verratti. Attention Marco. Perte de balle ici au milieu de terrain. Derrière la bonne récupération avec Carlos Soler. Le direct. Voilà, là on peut aller. Nuno Mendes. Allez, c'est parti. Il y a de l'espace, le doublement avec Fabien Ruiz. Il va servir finalement Mbappé. Mbappé la passe vers Léo Messi. C'était bien joué. C'était allé très très vite hein, cet enchaînement entre Mbappé et Léo Messi. Malheureusement derrière ça n'a pas apporté ses fruits. Et ça revient sur Pembele ce ballon. Un peu compliqué à gérer. Ah, il faut le récupérer derrière ensuite. Zaire Emery au pressing. Les Brestois qui vont réussir à se relancer ici. À esquiver ce pressing parisien pour l'instant. Ça va revenir sur Léo Messi. C'est récupéré finalement par le stade brestois. Ils peinent vraiment à ressortir et à bien se trouver les Brestois. Et voilà, ça va, faut en profiter. Attention à Fadiga qui va vite avec ce ballon. Fadiga il est passé. Il a essayé de mettre un petit pont à Danilo. Mais on ne passe pas monsieur Danilo comme ça. Respectez Danilo Pereira, s'il vous plaît. Oui, balle de Magnetti. Allez, la balle dans les pieds parisiens. Mais Makonda, il jouait à Brest. On dit le chat. Exactement. Ça fait combien de temps? 3 ans à Brest?
3 ans et demi. Je suis parti 6 mois avant ma fin de contrat. Je suis parti en janvier 2015 à l'Académica de Coimbra, au Portugal. Zer Emery, le ballon contré ici. Attention, ça peut partir en profondeur là pour le Stade Brestois. Et derrière, Sergio Ramos qui intervient. Le petit tacle, et il demande même la touche derrière. Il est déçu de pas l'avoir. Ouais, mais on voit les compensations qu'il y a derrière. Ça, c'est très important. Face à une équipe ça semblait qui essaie de la profondeur. Et forcément. Il va falloir bien couvrir du côté du Paris Saint-Germain parce qu'on est haut, Ça peut porter ses fruits, mais derrière, faire attention. Le ballon ne sort pas, les gars. Attention. Hein. Donnarumma qui l'a saisi. On a l'impression qu'il y a de l'ambiance, en tout cas, dans ce stade de Brest. Elle est comment l'ambiance, d'ailleurs, Trippi, là-bas? Non, grosse ambiance. Il faut savoir que c'est un stade de 16 000 spectateurs. Après, confirmez-moi si je dis des bêtises. Qui a une capacité à 16 000, si je dis pas de bêtises. Et généralement, il y a quand même une influence. Moi, quand j'y étais, c'était à peu près entre 12. Donc, je trouvais que c'était intéressant. Et ça, c'est voilà, c'est une équipe qui soutient tout le temps. Attention. Oh. L'ouverture de Danilo qui ne trouvera pas Nuno Mendes. 6 mètres pour le Stade Brestois. Et le Stade Brestois qui est en quête d'un nouveau stade. Hein. Qui veut rénover, pas rénover son stade, mais acquérir un stade. Donc c'est en train de voir s'ils vont pas construire. Pour les connaisseurs du côté de Guy Pava. Je ne suis pas connaisseur. Cette fois. Oui, mais dans le chat, peut-être qu'il y a des Bretons dans le chat. Mais oui, il doit en avoir. Il y en avait tout à l'heure au début live, donc il doit en avoir encore. C'est sûr et certain. Remise en jeu côté gauche pour le Stade Brestois. Ouh, attention, Ramos qui a pas vu en profondeur l'appel de balle Del Castillo. Del Castillo qui va retrouver Onora. Onora dans la surface, le crochet. C'est bien défendu de la part de Pembele qui était revenu également. Et on a reçu un petit coup. Nuno Mendes qui a reçu un petit coup derrière la jambe, j'ai l'impression. Je pense. Je sais pas s'il a reçu un coup. Ah, si, c'est un coup. Ouais, sur le dribble. Coup de crampon, je pense. Ah oui, il écrase la cheville. Eh, hey, mais lui, on n'arrête pas de le. Oh, laissez-le tranquille. Allez, Nuno Mendes qui a reçu un bon petit coup de crampon ici. Ah ouais, l'arrière de la cheville. L'arrière du pied, hein, bien écrasé. Le bon petit coup de crampon là qui n'a pas été sifflé. L'arbitre qui en sourit. Nous, on en sourit moyen, en tout cas. Ne fait pas trop rire. Hein. 17 000. Maintenant, le stade de la tribune supporter a été rénové. Mais t'étais pas loin, Trippi. 1000 places près. Bah, écoute, je suis parti. Ça fait 8 ans que je suis parti maintenant. On aperçoit le banc parisien, on vous le rappelle, le banc parisien, vous le voyez également en bas avec Juan Bernat, Sergio Rico, Vitinha, Renato Sanchez, El Shaddai Bichabu, Ismaël Garbi, Hugo Ekitike et Alexandre Letellier. Renato sur le banc, Trippi, je sais que tu es heureux de le voir. Heureux, oui, car c'est un joueur que j'aime bien. Maintenant, c'est dans la gestion. On sait qu'il s'est énormément blessé, qu'il a aussi beaucoup rechuté. Donc maintenant, faudra faire attention. Ouais, pas prendre de risque hein, pour Renato. Attention à cette ouverture sur le côté gauche. Là, pour le Stade Brestois, le centre bien contré par Sergio Ramos. C'était dangereux. Heureusement qu'il est vigilant, notre défenseur espagnol. Parce que là, c'était pas évident à défendre. On a été pris encore de vitesse sur le côté. Faut vraiment faire attention car Brest commence à mieux jouer les coups. Et il a très bien pris l'information. Ouais. Ce sont des Castillo pour Onora. Bien intercepté par Sergio Ramos. Ramos qui est vraiment en train de nous faire un retour, mais plus que brillant hein, depuis cette petite période où il était blessé. Attention à ce corner qui va revenir sur une tête brestoise. Ça ne donnera rien, heureusement. C'est capté, cette tête de Duverne, par Donnarumma. Ça va aller. Mais attention, parce que c'était une action dangereuse tout de même. Allez, 25e minute, toujours 0-0. Il s'agirait, Trippi, maintenant de mettre ce premier but. Hein. Ben, ça serait bien, quoi.
Danilo. Avec Nuno Mendes. Zaire Emery. Verratti. Fait tourner cette balle. Vers Danilo. Le PSG qui monte tout ce bloc équipe. Pour vraiment venir mettre une grosse pression devant cette cage brestoise où tous les joueurs sont regroupés pour l'instant. On est vraiment sur une attaque-défense. Quelle passe de Marco Verratti pour Pembele. Pembele entrée de surface. Pour Mbappé, c'est passé ce ballon. Mbappé, contre par Messi. Mbappé, on la frappe un petit peu trop croisée. Le 1-0 qui était très très proche une fois de plus. Une occasion manquée par les Parisiens. Bolo, c'était bien joué. Mbappé qui laisse passer pour Soler. Soler qui lui remet bien. Il le retrouve dans les 6 mètres. Hein. Dans les 6 mètres et il frappe. Petit frappe pont. Croisé. Il n'arrive pas à cadrer. Hein. Il a trouvé le petit pont sur le défenseur brestois, mais il n'arrive pas à cadrer. Il est un tout petit peu trop croisé. Mais ça commence à faire beaucoup d'occasions, beaucoup de tirs. Il ne rentre pas pour l'instant, Trippi. Et attention. Je vais leur faire sur la frise là que je suis en train de voir. Donc le ballon est parti et revenu. Ah, c'est dommage. Hein. Attention à pas se faire punir parce que on rate beaucoup d'occasions derrière. On peut le payer. Il va falloir être un peu plus tranchant devant les cages. Verratti avec Danilo. Danilo vers Léo Messi. Ça combine rapidement pour les Parisiens. La petite faute là de Carlos Soler, il me semble. Un joueur brestois qui est au sol. Le jeu qui est arrêté pour l'instant. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on essaye de combiner dans l'axe du terrain quand on arrive à avoir de la mobilité, des déviations, des joueurs en mouvement. Ça nous permet d'accélérer le jeu. Et face à une équipe bloc bas un peu statique, tu vois, qui attendent vraiment les joueurs, ça peut mettre un petit peu plus d'incertitude dans le bloc brestois. 28e minute de jeu. Et on veut plus d'incertitude dans ce jeu brestois. Pour l'instant, on sent vraiment que cette équipe de Brest a tout de même beaucoup de difficultés à relancer, beaucoup de difficultés à se trouver. Il va falloir en profiter parce que pour l'instant, on est un peu trop gentil, Trippi, je trouve. Après, il faut des buts. Après, c'est vrai qu'on a du mal à terminer nos actions. On rentre dans les 6 mètres, même pas dans les 16 mètres. Hein. On est dans les 6 mètres, brestois. Et après, derrière, on a du mal à terminer nos actions parce que derrière, ils sont bien regroupés. Nuno Mendes. Sur le côté gauche, avec Marco Verratti. Verratti, qui vient réussir à récupérer cette balle entre 4 joueurs. Malheureusement, derrière, il y a une faute sur Nuno Mendes. Il a pris un gros coup, là, Nuno Mendes, qui reste au sol. Je sais pas si la faute est sur Nuno ou de Nuno. J'ai l'impression que c'est une faute un peu des deux joueurs. Et l'arbitre qui a l'air de sanctionner Nuno Mendes. On va regarder ça. Ah, il a pris un sacré coup, visiblement. Il a l'air bien touché. Et bon, c'est qu'un coup, ça devrait aller. Nuno Mendes. Ouh, qui a pris un sacré coup de crampon, là, de Lesmelou. Comment il peut pas y avoir de... Comment on peut ne pas avoir la faute là-dessus? Ouh, monsieur l'arbitre. Ouh. Parce qu'il n'y a pas faute de Nuno Mendes sur Lesmelou. Mais par contre, derrière... Ouh là là. Y a pas la VAR, Trivi, pour ça là? Après, ça dépend. Le ballon, en fait, il était déjà parti. Après, est-ce que... Mais son pied, j'ai l'impression qu'il le retient pas vraiment, non, tu vois. C'est pas ça. C'est que le problème, c'est que c'est Nuno Mendes qui touche le ballon. Il y a une potentielle récupération. Donc, c'est vrai que là... Et 29e minute. Pour l'instant, 29e minute en général à Brest. Trippi... Ça ambiance un petit peu. Tranquille. Le stade brestois. Oh non, non. Ça devrait aller. Ah, le PSG qui attaque beaucoup sur le côté gauche vers Nuno Mendes pour l'instant. Forcément, c'est le joueur le plus rapide en tant que défenseur. Avec Pembele de l'autre côté qui est un petit peu moins rapide tout de même, mais on va passer vers Pembele cette fois-ci. Zaire Emery vers Verratti. Zaire Emery qui vient rejouer derrière avec Sergio Ramos. Danilo qui va porter ce ballon un petit peu.
Attendre une solution, le crochet de Danilo. Ah, faut se Ben Ruiz, après. Dos au jeu. Et forcé hein, de remettre ce ballon en retrait. Et là, c'est une belle passe de Fabien Ruiz. Oh, un tout petit peu trop profonde. Vers Mbappé, c'est dommage. Il aurait dû la brosser. Sans mettre de force. Juste contourner la défense. Ah, il faut le récupérer vite ce ballon. C'est récupéré rapidement par Marco Verratti. Avec Léo Messi. Léo Messi qui va essayer de chercher encore une fois Mbappé. C'est retrouvé par Messi. Messi à Mbappé. Mbappé qui la remet. Oh, c'est dégagé. Oh là 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 là. Il y a trop de feu. Passes dans la surface. Il y a trop de passes dans la surface. Il y a trop de passes, faut prendre sa chance, faut tirer. Ah, faut mettre des pétards là. Et rapidement de l'autre côté, rapidement, rapidement. Trippier, est-ce que tu as joué contre, on nous demande, Morey Rennes en 2015. Oula. Attends, là je suis sur une action. Mbappé dans la surface. Si, j'ai joué. Nuno Mendes. Avec Verratti, on va retrouver Nuno Mendes qui n'est pas hors jeu. L'un contre un, mon gamin. Le Mendes, le 1 contre 1. Il va y aller. Le centre instantané. Oh là là, ça va vite. Hein. Le Mendes. C'est contré. Ça revient, Sergio Ramos. Le 1-2 avec Messi. La faute sur Sergio Ramos qui est resté au sol. Oui, très monsieur, beau coup franc pour les Parisiens. Donc, oui, j'ai joué en 2015. Donc, c'était mon premier match titulaire. Milieu de terrain, comme d'habitude, hein, tu connais. J'ai un petit peu. Je suis sorti à la 65e minute parce que j'avais des crampes. Je viens d'arriver, mais ouais, j'ai joué contre Morelense. Allez, super coup franc là pour le Paris Saint-Germain. Là, pour Léo Messi, c'est presque un penalty. On sait ce genre de coup franc. À 21-22 mètres, à peine, des cages de biseau. Peut-être Sergio qui a récupéré ce coup franc. Non, c'est vraiment axial, donc c'est un calvaire pour les gardiens, ce genre de coup franc. Je sais pas si ça partira à gauche ou à droite. Belle montée de Sergio Ramos. Et puis c'est vraiment le coup franc le plus compliqué à défendre pour un gardien. Ah, parce qu'il a un peu axe. 19,5 mètres et en plein dans l'axe. Léo Messi ou Sergio Ramos, les deux joueurs sont devant le ballon pour ce coup franc. Je pense que ce sera Léo Messi, le gardien qui est placé également dans l'axe de ses cages. Léo Messi qui a touché ce ballon, il le replace, en général s'il le replace, ça peut le faire. Et attention, il y a un Jean Brestois dans les cages, donc les Parisiens se sont avancés également. Bah attention, ils sortent pas au moment de... Ah non, c'est bon. Ah non, non. Il y a tous les joueurs dans les cages, là faudrait faire une petite passe, une petite combinaison. Bonjour, c'est malin. Léo Messi la frappe contrée. C'est très malin de la part de Brest. Hein. Et derrière, Léo Messi qui va garder cette balle, le petit pont manqué, ça revient, Zaire Emery, qui a failli passer entre les deux joueurs ici. La balle perdue par les Parisiens. Et derrière, il va falloir récupérer ce ballon. Attention, ça peut aller vite. Du côté du stade brestois, la mauvaise conduite de balle, tant mieux. De Del Castillo, qui finit en touche. Mais en tout cas, c'est franchement une... Ah, c'est Marco Verratti qui a contré cette balle. Non, franchement, Brest, là, ce qu'ils ont fait, c'est intéressant. Hein. Parce qu'au final, ça gêne. Ça gêne dans le sens où il faut vraiment être précis dans son tir. Après, ça peut donner place à des combinaisons. C'est dangereux également. Mais ils l'ont bien exécuté. Un mauvais passe là de Warren Zaire Emery, attention. Del Castillo sur le côté. Il y a un appel de balle, Zaire Emery qui va devoir couvrir. Sergio Ramos qui est sorti. Oh, la petite faute de Warren Zaire Emery. Non, pas de faute sifflée par l'arbitre, heureusement. Non, l'arbitre il était là. Super Warren, pas de faute. Tant mieux. Il s'est vite relevé le joueur brestois. J'ai eu peur sur le moment. Allez. Mbappé, il y a un peu d'espace. Kylian Mbappé. Personne après. La passe vers Léo Messi qui a subi un bon petit taquet ici. Pas de faute. Trente-cinquième minute de jeu, il reste 10 minutes dans cette première période, toujours 0-0. Allez, dans ces 10 dernières minutes là de première mi-temps, on espère au moins un petit but. Parce que vraiment depuis tout à l'heure, il y a la place. Ouais, il y a la place, on est à 5 tirs, 0 cadré, on va voir s'il y avait pénalty ou pas. Non, il n'y avait rien du tout. Oh non, on peut pas tomber comme ça. Ah. Non, il y avait rien du tout. Il y a quand même le... Si. Ah, la jambe un peu quand même le... Ouais, il y a quand même le genou gauche de Warren qui touche du verbe. Et bon, l'arbitre il a rien dit. Ouais.
Ça avait l'air très 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 généreux. Tant mieux. Nuno Mendes. En retrait avec Léo Messi. Messi vers Kylian Mbappé qui a décroché également. C'est que s'il prend un peu de vitesse, Mbappé peut faire la différence. Il a tenté de prendre un peu de vitesse au démarrage de l'action. Malheureusement derrière, la balle qui ne reviendra pas sur Kylian Mbappé. 6 mètres pour le stade brestois. Ce qu'il tente de faire un peu Mbappé ici à Trippi. Prendre un peu de vitesse avec le ballon en décrochant. Ah, mais là tu affrontes... Là tu fais face à un bloc bas, donc ça va être compliqué. Ils sont très resserrés, très compacts devant leur surface, devant leur but. Et je pense qu'avec un peu plus de justesse technique et de mobilité et de positionnement, je pense qu'on peut leur faire mal. Pembe de la tête qui vient toucher ce ballon. Nouvelle touche pour le stade brestois. 37e minute de jeu actuellement. Ah, c'est récupéré ce ballon. Marco Verratti. Avec Léo Messi. La feinte de corps, Léo Messi. Qui va venir faire la différence ici. Mbappé. Entrée de surface, la frappe d'Mbappé déviée, ça revient sur Carlos Soler et le but pour le Paris Saint-Germain. Carlos Soler qui a suivi, la barre rentre ensuite, un mauvais dégagement de la part de Bizot, une frappe tentée de la part de Mbappé aux 30 mètres et Carlos Soler qui a bien suivi. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Elle était lourde hein, cette frappe, elle était lourde cette frappe de Mbappé, mais bien suivie par Carlos Soler. On revoit cette action de jeu, c'est Messi qui a le ballon, qui arrive à transmettre à Mbappé. À au moins un peu plus de 25 mètres, il tente cette frappe lourde. Et là, Bizot qui va s'en vouloir, hein, parce qu'elle est lourde, elle est un peu flottante. Mais il la remet plein axe et forcément, quand l'armée est axiale en général, ça peut porter. C'est soit il la met au point, mais après, le point, c'est pareil, tu sais pas si tu vas bien la prendre ou pas. Mais après, c'est sa défense derrière qui suit pas. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le premier buteur, c'est donc Carlos Soler. Alors, c'est pas écrit le buteur, je crois que c'est à moi de le mettre. Soler, 37e. Hop. Allez, c'est bien, on méritait ce petit but. Hein. Pour l'instant, dans cette première mi-temps, beaucoup d'action pour les Parisiens. Ils sont récompensés. Ça va repartir avec Mbappé. Vers Nuno Mendes. Mbappé, lui aussi, en quête de but. On le sait que... Jonathan David est maintenant leader au classement des buteurs. Après son triplé contre l'Olympique Lyonnais hier. La petite faute là de Mendes sur Fadiga. Ce n'est pas le Fadiga, hein, passé par le Paris Saint-Germain. Bon, du coup, Fadiga qui avait joué à Brest également. Non, un autre Fadiga. C'est le fils de Fadiga. Ah. Fadiga d'Auxerre. Ouais, je me souviens très bien. Donc c'est son fiston. Le Fadiga, plus connu, je pense. Oui, avec le maillot au cerf. À l'époque, des Benjani, tout ça. Tout à fait. Ah, ça va revenir côté gauche pour le stade brestois. Le centre, deuxième poteau, il n'y aura personne. Le Mendes qui laisse passer ce ballon à Donnarumma. On va pouvoir se relancer. Marco Verratti qui a pris un petit coup au passage. Il souffre un petit peu là. Regarde, il a repris une petite béquille. Ça a l'air d'aller. Il va se remettre à courir en grimaçant un petit peu. Petit hibou Paris Saint-Germain. Allez, Mbappé. Il va retrouver Léo Messi. Mbappé n'a pas pu reprendre cette balle à Léo Messi. Il nous a fait une petite roulade derrière Ken Mbappé. Il nous a fait une petite roulade, mais c'est pas relevé, hein. Non, c'est un petit coup. Le pied. Ah, il a pris un petit coup. Je pense qu'il a pris un petit coup de crampon là, Kylian Mbappé. Rien de plus. Marco Verratti, la petite faute. Après, c'est sur Mounié. Mal. Pas de carton là pour Verratti, ça aurait pu valoir un petit carton, il s'en sort bien. Ah, il a pris un petit coup sur l'avant du pied. Ah ouais, ça met des coups forts, hein. Ah, il y a de l'intensité hein, du côté de Brest. Et on le rappelle hein, que Brest est une équipe qui est certes 15e du championnat, mais c'est une équipe qui joue pour le maintien. Elle a 23 points, l'équipe brestoise, sachant que Auxerre a 23 points également.
que Strasbourg à 22 points, qu'Ajaccio à 21 points, que 3 à 20 points. Donc c'est vraiment hyper serré dans cette fin de tableau. Trippier entre le 19e et le 15e. Il n'y a qu'une victoire d'écart, sachant que les 4 derniers descendent cette année. C'est une vraie course contre la montre, on le maintient. Ouais, donc c'est pour ça que Brest veut faire un coup face au Paris Saint-Germain, même si après, derrière, il reste des matchs à jouer, mais ça peut être aussi un capital confiance pour eux en cas de bons résultats face au Paris Saint-Germain. Mais pour le moment, il y a 1-0 pour Paris, et il y a la corner pour Brest. Le corner brestois, Donnarumma qui vient rater un peu cette balle, mais on revient à une faute, je crois. On revient à une faute. De toute façon, derrière, la frappe brestoise qui n'avait rien donné. Je sais pas trop ce qui s'est passé ici. Il a touché ce ballon, Donnarumma, pardon. Non, pour moi, il l'avait effleuré. Allez, Sergio Ramos pour la relance parisienne. 42e minute actuellement. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. 37e minute, but de Solaire. Il y a quelques secondes. Un petit deuxième avant la mi-temps. Je te tiens le stylo, ouais. Trippier, je te le donne. On signe tout de suite. Ouais, bien sûr. Marco Verratti. Avec Danilo Pereira. Danilo qui va essayer de chercher une solution. La passe un peu compliquée là vers Mbappé. Ouais, dans l'axe du terrain, c'est compliqué car il ferme. Attention, profondeur. Ouais, attention à la profondeur. Heureusement que Donnarumma a bien suivi et que ce ballon n'était pas parfaitement envoyé parce que ils avaient réussi à trouver une zone de passe intéressante là, les Brestois. Tant mieux pour nous que ce soit mal exploité, Trippi. Ouais, c'est ce qu'ils recherchent. Hein. Et tu vois bien, ils ne recherchent pas des ballons forcément pour cibler le joueur. Ils cherchent l'espace libre. C'est-à-dire que celui qui va faire l'appel de balle va s'adapter par rapport au ballon. Et notamment, et les appels de balle de Brest sont toujours faits à l'opposé. Ramos. Côté droit vers Pembele. Pembele avec Zaïre Emery. On va revenir. Avec Ramos qui va écarter à gauche. Faire tourner un peu ce bloc brestois. Qui est toujours compact et compliqué à passer pour l'instant. La profondeur vers Mbappé. On repasse à gauche. Nuno Mendes. L'accélération de Nuno Mendes. On ne passera pas pour cette fois. Et attention à ce contre, parce que ça peut aller vite sur la profondeur, on l'a annoncé depuis tout à l'heure. Et attention, Onora, il est passé en profondeur devant Sergio Ramos. Onora qui pousse cette balle. Onora face à Donnarumma, la frappe d'Onora et le but. Un partout. Ouais, Onora qui était trouvé dans cette zone, on en parlait, Trippi, de cette zone de profondeur et les Brestois récompensés. J'ai dit, il y a même pas deux minutes. Il y a même pas deux minutes et t'avais annoncé également s'il y avait un joueur sur lequel il fallait faire attention, c'était Franck Onora. Il le voit, le buteur, Trippi. J'ai dit, ils trouvent des espaces à l'opposé de leur position. Et là, encore une fois, Del Castillo, il a le ballon sur le côté droit. Et Onora, il fait un appel en oblique qui trouve dans le dos de Ramos. Ah, on le sait, après, Sergio Ramos, c'est pas forcément le joueur le plus rapide. Et là, forcément... Non, mais après, c'est pas ça. Là, c'est un mauvais alignement. C'est aussi Pembele qui doit suivre Onora, en fait. Qui doit pas se replacer dans la ligne. Soit communication avec... avec Ramos, ou sinon en fait il le suit et tu meurs avec lui. Malheureusement, un partout dans ce match. Franck Onora qui vient remettre les compteurs à égalité. On a prévenu. À refaire pour le Paris Saint-Germain. Après, je suis pas sur le terrain. Et en plus, tu l'avais dit, hein, Franck Onora c'était le joueur à suivre du côté brestois. Tu l'as annoncé au début de match. Trippi qui avait tout vu. L'œil de Trippi. Ouais, j'ai vu les... Bah, c'est la mi-temps et tu prends un coup de massue sur ça, quoi. Je sais pas si c'est la mi-temps ou c'est un fumigène qui arrête le match pour l'instant. Je crois que c'est un fumigène qui arrête le match pour l'instant. On ne voit plus rien. C'est la mi-temps. Je suis pas sûr, hein, si, c'est la mi-temps. Non, c'est pas la mi-temps. Il restait encore 30 secondes. Il y allait avoir un peu de temps additionnel, certainement une minute. Et on revoit le but sur le côté. Castillo qui avait beaucoup d'espace pour servir en profondeur. Franck Onora. Et ouais, course de Pembele. C'est vrai que si elle est plus sur le côté, au final, forcément, il va revenir croiser Pembele. C'est
avec cette course axiale. Ouais, c'est ça en fait. C'est la... Ouais, après, ouais. C'est pas pour l'incriminer. Hein. C'est non, là, non, non, forcément. On analyse sa situation. Déjà, on avait dit que Brest, à chaque récupération du ballon, ce ne sont pas des appels de balle pour trouver le joueur, mais pour trouver l'espace. Et c'est le joueur qui va s'adapter. Là, on l'a vu sur ce ballon de Del Castillo pour Honora de manière oblique, latérale, qui va être dans le dos de Sergio Ramos. Et là, Pembele, dans sa prise d'information et puis même dans son retour défensif, en fait, tu dois suivre Honora. C'est-à-dire que si tu le suis, même si tu es en retard, à un moment donné, tu vas revenir parce qu'il va devoir contrôler le ballon, reprendre après de la vitesse, et à ce moment-là, tu pourras être peut-être au contact. Et le simple fait de revenir, on va dire, au niveau de Sergio Ramos, ben, il a toujours ce temps d'avance. Et après, il passe devant, après c'est fini, je ne peux plus le toucher. Et ça fait au moins 2-3 fois que les Parisiens prennent ce genre d'appel de balle. Ouais, on le voyait, hein. Ils continuaient à faire ça, les Brestois, et forcément, au bout d'un moment, ça allait être dangereux. On le disait depuis plusieurs minutes, et ça a porté ses fruits pour le stade Brestois. Un partout pour l'instant, le jeu qui est arrêté, hein, avec un trop gros fumigène, je pense, du côté Brestois, je pense. Je dis ça à savoir, mais je pense que c'est Brestois. Après ce but. Et on a également un peu de temps additionnel. Normalement, on devrait avoir 3 minutes supplémentaires qui viennent d'être annoncées. Certainement à cause de ce stop. Ouais, c'est pas ce qu'on souhaitait. Hein. Prendre un but avant la mi-temps. Après un match de Ligue des Champions. D'ailleurs, désolé si ma voix est un peu différente, mais... J'ai perdu un peu de voix à Munich, j'ai pris froid. J'étais super froid, il y avait un vent de dingue là-bas. T'as surtout crié, ouais. J'ai crié, mais j'ai surtout eu très très froid. Je te jure qu'il faisait vraiment super froid, il y avait un vent de dingue là-bas et je suis tombé un peu malade. On aperçoit Vitinha sur le banc. Là, je vais qu'à pouvoir reprendre mon... Aperçoit un peu de visibilité sur le terrain. Et la balle rendue aux Parisiens. Allez, encore 3 minutes supplémentaires du coup avec cette interruption. Directement la profondeur cherchée vers Mbappé. Ça va revenir. Mbappé, la talonnade vers Fabian Ruiz. Allez, remarquez directement, ce serait une très belle réaction de la part des Parisiens. Et derrière, oh, c'est un 6 mètres. Je crois que c'était un corner. Mais il la retouche. Je pense qu'il la retouche derrière. Ouais, je pense aussi. L'arbitre, il a vu. Allez, le 6 mètres pour Bizot. Un partout pour l'instant. Marco Verratti, de la tête, avec Nuno Mendes. Nuno Mendes qui va être contré ici. Oh, attention, le bon retour de Nuno Mendes derrière, mais il y a une petite faute. Visiblement sur Franco Nora ici. Remise en jeu du côté de Brest. Avec Del Castillo sur le côté droit. Ah, finalement, ce sera la mi-temps. Mi-temps de ce match pour l'instant, Trippi. Un partout entre le stade brestois et le Paris Saint-Germain. Le PSG qui a eu vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'occasions cette première mi-temps. Qui a peiné pour aller mettre ce premier but. Qui a été délivré par Carlos Soler, mais derrière le PSG qui a concédé quelques occasions sur contre, sur des ballons en profondeur, et le PSG qui s'est fait punir avec Franck Honora à la 44e minute. Exactement, le Paris Saint-Germain qui a bien débuté cette rencontre, de toute façon on le voit même sur le niveau des blocs équipes, une équipe brestoise qui est très basse sur le terrain en zone basse, et une équipe parisienne qui est en zone haute. Mais le fait d'être en zone haute pour les Parisiens, ça leur permet d'avoir le monopole du ballon, d'essayer de contourner cette défense brestoise et aussi de presser très vite en cas de perte de balle. Mais ça vous expose aussi à des contres et notamment à des appels dans le dos grâce à des joueurs techniquement à l'aise et aussi dans la prise de vitesse. Bien que les Parisiens ont marqué ce but qui nous a fait du bien parce qu'on mettait beaucoup de pression, on avait beaucoup aussi d'occasions de la surface de réparation, il a fallu quelques occasions et pas des moindres pour Brest pour revenir à la marque. Donc maintenant aux Parisiens de rectifier on va dire cette animation défensive, de pas être trop exposé
pour pas reprendre un contre de la même manière. Ouais, faire attention à cette seconde période qui arrivera dans un peu plus de 10 minutes, mais le PSG avait beaucoup de choses intéressantes dans cette première période. Il manquait triple la finition parce que vraiment, des occasions, il y en a eu. Enfin, un petit point sur les stats, il y a eu 56 attaques de la part du PSG, 12 côté brestois. On a eu le nombre de tirs ou pas? On va revoir le nombre de tirs. 9 tirs pour les Parisiens, un seul cadré, et c'est ce but de Carlos Soler. Ouais, non, mais quand... il y a eu des occasions, enfin, il y a eu des occasions et des situations. Il y a eu des situations où on a combiné dans l'axe du terrain, on a été très mobile et très rapide dans ce jeu de une touche en déviation, ce qui nous a permis d'avoir des occasions, et aussi par les côtés. Fabian Ruiz a centré, Nuno Mendes aussi a centré, Pembele aussi de son côté a centré. Mais peut-être après, il manquait pas beaucoup de présence dans la surface de réparation, dans la zone de vérité offensive pour les Parisiens. Donc c'est un petit peu ça dans la finition et dans la projection qui a manqué dans ce début dans cette première mi-temps, parce que le but, il vient sur une frappe de loin, mal repoussée par le gardien de but, repris par Soler. Donc c'est ça. Ouais, tu vois, donc c'est vraiment pas sur une action de jeu, on va dire un peu construite en passant par les côtés, ou sur une action de jeu de passe à vitesse maximale. Donc c'est dommage de prendre ce but. On les a alertés, mais voilà, aux Parisiens en deuxième mi-temps de revenir beaucoup plus conquérant. Et avec un peu plus de finition. Voilà pour ce petit débrief de cette première mi-temps. Il est temps pour nous également de faire une petite pause, de se ressourcer un petit peu, et on se retrouve dans quelques minutes pour la seconde mi-temps de ce match, cette 27e journée de Ligue 1 qui oppose le Paris Saint-Germain à Brest. J'allais dire Brest au Paris Saint-Germain. A tout de suite, dans quelques secondes. You can see the time on my smartwatch. Bent out in the penthouse, still a player with the pimp mouth. Your girlfriend is my friend now, and she loving it when we spin now. We'll be right back.
skirt out in the whip, but do not crash. See you looking at me, hater, why you look so mad? Pull off of the car lot, push button at hard top. Las Vegas at the Hard Rock, you can see the time on my smartwatch. Bent out in the penthouse, still a player with the pimp mouth. Your girlfriend is my friend now, and she loving it when we spin now. Hop in the Porsche, now go fast, go fast, go fast. Hop in the world, we go fast, go fast, go fast. Girl out in the whip, but do not crash. See you looking at me, hater, why you look so mad? Hop in the Porsche, now go fast. Skirt out in the whip, but do not crash. See you looking at me, hater, why you look so mad? Pull off of the car lot, push button at hard top. Las Vegas at the Hard Rock, you can see the time on my smartwatch. Bent out in the penthouse, still a player with the pimp mouth. Your girlfriend is my friend now, and she loving it when we spin now. Hop in the Porsche, now go fast, go fast, go fast. Hop in the world, we go fast, go fast, go fast. Girl,
skirt out in the whip, but do not crash. See you looking at me, hater, why you look so mad? Pull off of the car lot, push button at hard top. Las Vegas at the Hard Rock, you can see the time on my smartwatch. Bent out in the penthouse, still a player with the pimp mouth. Your girlfriend is my friend now, and she loving it when we spin out. Up in the bush, now go fast, go fast, go fast. In the world, we go fast, go fast, go fast. Girl out in the whip, but do not. Et nous sommes de retour pour cette seconde mi-temps entre le Stade Brestois et le Paris Saint-Germain. Tripi pour l'instant, un partout dans cette première mi-temps. Le PSG qui a eu beaucoup d'occasions et qui s'est fait reprendre malheureusement à la 44e minute de jeu par Franck Honora. Le PSG qui a eu le monopole du ballon, qui a eu beaucoup de présence dans le camp brestois, mais qui n'a pas su marquer les occasions qu'ils ont pu avoir. C'est sur une frappe lointaine de Mbappé reprise par Carlos Soler que ce but a été validé, mis. Mais le problème, c'est que ça a donné plus de confiance à Brest, avec ce 1 partout. Ouais, pour l'instant, 1 partout dans ce match. Brest qui a rejoint les Parisiens juste avant le retour au vestiaire. Et maintenant, tout à refaire pour le Paris Saint-Germain. Il y a un homme qui n'a pas encore marqué, c'est Kylian Mbappé. Et on le sait, Jonathan David l'a dépassé en championnat pour l'instant au classement des buteurs. Donc, moi, si j'ai une petite pièce à mettre, Trippi, ce serait sur Mbappé buteur, seconde période. Et en plus de ça, il pourrait devenir, ou attention, ce centre brestois, le meilleur buteur du Paris Saint-Germain contre Brest. Pour l'instant, c'est Zlatan Ibrahimovic. Donc forcément, Mbappé va vouloir marquer ce but. Espérons, mais là, en tout cas, là, c'est Brest qui rentre bien dans la deuxième période. Hein. Ouais, des Brestois beaucoup plus offensifs, hein, qu'on l'a vu en première période, beaucoup plus haut. Les consignes sont certainement différentes en seconde période. Attention à cette action avec Del Castillo, le centre brestois qui ne donnera rien. Pembele, pour ressortir, la faute sur Pembele. Et non, pas de faute. On a dégagé. Dans un corner, au stade brestois. Ah. Mais oui, les gars, les arbitres sont pas bêtes. Ah, tu la dégages, là. Faut pas chercher de faute. Il a essayé d'avoir une petite faute avec les mains du joueur brestois. Trop gentil. Oh là, je sais pas ce qu'il a cherché là, les Smelou, mais il n'y avait rien du tout. Honora qui va tirer ce corner. Attention, être vigilant. Le corner brestois repoussé par Donnarumma, c'était très bien tiré. Ça va revenir dans les pieds parisiens. La tête d'Anilo. Mbappé. Avec Carlos Soler et Mbappé. On ne parvient pas à retrouver Carlos Soler. Et derrière, perte de balle parisienne. Les Brestois avec le ballon. Et puis, comment tu sens cette seconde mi-temps? Non, ouais, il ne voit pas le chat Trippier en général. C'est moi, je lui lis les questions. Qu'est-ce qui se passe? Non, il nous demandait des questions sur Moreirense, il me semble. Contre Coimbra en 2015. Parce que Caxor sur le chat était dans les gradins, voilà. Attention à cette frappe. Il a vu ma grosse prestation, c'est ça? Exactement. Allez, Messi, la relance avec Marco Verratti. Là, ça peut aller vite pour Paris Saint-Germain. Allez. Là, il y a un 3 contre 3 à négocier. Ah, ça revient bien côté Brestois, on a perdu un peu de temps. La passe d'Mbappé qui recherchait Léo Messi, malheureusement, c'est intercepté. On a perdu un petit peu de temps là dans cette contre-attaque. Ah, c'est dommage, on a perdu le temps d'avance qu'on pouvait avoir, on l'a perdu. Non, Kyo de Wish, je voulais dire Mbappé meilleur buteur contre Brest. On le sait que Mbappé est meilleur buteur du Paris Saint-Germain, mais je parlais contre Brest. Contre Brest, pour l'instant, c'est Zlatan Ibrahimovic avec 6 buts et Mbappé avec 5 buts. Oh, attention à ce centre, rien. On ne pourra rien voir hein, parce qu'il y a un gros fumigène qui a éclaté. Ok, ils arrêtent avec leur fumigène, là, les Tizef. Et Verratti, il va envoyer en profondeur. Kylian Mbappé, accroché. Kylian Mbappé. Pas de faute. Il a pris un coup à la gorge, visiblement. J'espère qu'il y a la VAR. J'espère qu'il y a un truc. Reste au sol, Kylian, si on peut avoir la VAR. Parce que là, bon, il n'y aura pas de pénalty si jamais il y a une faute, mais. En tout cas, ce serait
peut-être un des derniers défenseurs. Ah ouais, non, c'est voulu. Hein. C'est voulu, on voit clairement que le joueur met un coup vers la gorge de Kylian Mbappé alors qu'il n'avait pas du tout cette allure avant avec les bras. Non mais là, ça doit être sanctionné. Ça doit être sanctionné, il doit y avoir la VAR, il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir la VAR, Trippier, ou il doit y avoir une sanction pour ce genre de geste. Non, personne l'appelle. T'es sûr? Ouais, visiblement. Non, non ça rejoue. Pas de VAR, rien du tout. La balle rendue en plus au Brestois. C'est du n'importe quoi là. Une petite grenadine pour me rebooster un petit peu. On aperçoit des feux d'artifice également. À côté du stade, tout va bien à Brest. Allez. Mbappé, le revoilà. Contré. Et attention, les Brestois vont repartir. Ouais, mais là, ils ont confiance. Ils avaient quelques, par intermittence, quelques séquences, mais là... En les sent bien mieux. Dans cette première mi-temps, ils n'arrivaient pas à aligner plusieurs passes, alors que là, on les sent beaucoup plus confiants, avec beaucoup moins de déchets hein, dans la transmission, dans... Ah, suffisait de dire ça, tant mieux. Dans les constructions. Franck Honora qui vient rater son contrôle ici. Et Pembele qui va pouvoir relancer. La touche de Timothée Pembele. Ah, l'arbitre est là pour l'instant. Il en fait des siennes. Parce que là. C'était sanctionnable hein, cette faute sur Kylian Mbappé. Oui, monsieur. En Ligue des Champions, c'est sanctionné hein, ce genre de faute. Allez, Léo Messi. Pour porter une contre-attaque pour le Paris Saint-Germain. Messi qui va chercher Mbappé. L'appel d'Mbappé un peu compliqué à remettre. Ça revient sur Messi. Léo Messi la passe vers Mbappé. Devancer une fois de plus. Allez, ouais. C'est assez bien anticipé hein, pour l'instant. Peut-être qu'il a voulu le remettre. C'est assez bien anticipé pour l'instant ces actions parisiennes par les joueurs brestois. Mais on le disait dans ce match qui ne sera pas si facile hein, pour les Parisiens. Un retour de Ligue des Champions, ce n'est jamais facile. Et en plus, contre une équipe qui joue le maintien, qui vraiment va tout donner... Ce n'est pas une équipe qui est dans le ventre mou, qui n'a rien à jouer. Là, c'est vraiment une équipe qui est en quête de points. Tout comme le Paris Saint-Germain qui est en quête de points pour conforter son avance en championnat. Après sa belle série, il faut continuer. Pour l'instant, 8 points d'avance sur Marseille. Marseille est... Un peu plus sur Monaco, Marseille qui jouera à Strasbourg demain à 20h45. Les Strasbourgeois un peu classés comme Brest, hein, 17e, à un point simplement de Brest. Nuno Mendes avec Mbappé. Nuno Mendes qui va revenir en retrait vers Mbappé. Fabien Ruiz, Mbappé qui est recherché, ça ne passera pas. Et le stade brestois qui va pouvoir repartir en contre-attaque. Mais très bon retour de la part de Ben Ruiz ici. Là, le bon retour de Fabien Ruiz après avoir raté son 1-2 avec Mbappé. Ça va permettre de repartir à l'attaque. Allez, provoque-le là. Le pressing des Parisiens. Zaire Emery. Force les Brestois à dégager ce ballon en touche. Remise en jeu parisienne. Il faut qu'on reprenne un gros temps fort. Ouais, c'est vrai que ce petit temps fort, c'est plusieurs temps forts qu'on a eu en première mi-temps. Pour l'instant, on ne les a pas encore eu en seconde mi-temps. On espère que ça va arriver. Montrez le match. On aimerait bien vous le montrer. Hein. Malheureusement, on n'a pas les droits pour ça. Ramos, la super transversale à la gauche. Il est monté Sergio Ramos. Nuno Mendes,
le centre vers Léo Messi, c'est magnifique. Messi la frappe. Oh, comment ça va passer juste à côté du montant de Bizot. Mais c'était explosif, ce centre de Nuno Mendes. Dans les pieds de Léo Messi, le crochet. La finition derrière, c'était une exécution vraiment très 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 rapide. Ah, c'est surtout la première touche de Messi, le contrôle du pied droit pour mettre ce ballon au sol. Et après cette frappe du pied gauche. Attention, regarde l'appel de balle. Bien joué. Il faut lui parler après les gars derrière. Devancé par Del Castillo, mais derrière pas de faute visiblement. Et si, faute. Ah, cette fois-ci c'est sifflé hein, alors que sur Mbappé tout à l'heure... Il n'y en avait pas de faute visiblement. Parlez-lui, dites-lui seul, ça vient. Il n'a pas cette vision là. Oui, il y a faute. Grosse faute de Ramos. Et derrière Del Castillo qui vient se tenir le visage alors qu'il ne se fait même pas toucher le visage. L'abus. L'abus des joueurs parfois. Mais. Et Mbappé qui vient se plaindre hein, parce que lui il a reçu son coup à la gorge tout à l'heure, ça n'a pas été sifflé. Parce que ça pouvait être. Ça pouvait être carton rouge, très c'est grave, hein. Ouais, et puis non, mais après, au-delà du carton rouge, c'est surtout pour son intégrité physique, ça pouvait être grave. C'est vrai, dans la gorge, c'est dangereux. Allez, but à la 57ème, nous dit. Momi sur le chat YouTube. On prendrait. C'est pas pour Brest. Attention à cette tête brestoise, justement, ça va passer juste à côté. On a eu chaud, Trippi. On a eu très chaud. Ce centre brestois qui était bien amorcé, heureusement qu'ils reprennent mal cette tête. Tête de brassier. Ah, Nuno Mendes. Messi. Il va organiser un peu le jeu. Avec Nuno Mendes. Messi, Mbappé, Verratti. L'appel de Nuno Mendes. Fabian Ruiz. Il va servir Mbappé finalement. Les Parisiens qui se remettent à s'installer dans le camp brestois. Nuno Mendes. Il y a une solution. Ça va revenir sur Zaire Emery. Ramos monté aux avant-postes. Le centre qui ne donnera rien. Derrière la tête de Sergio Ramos. Il ne donnera rien non plus. La perte de balle parisienne. Parisien à l'échauffement. On avait Vitinha, Bernat et Ikitike. Qu'est-ce que tu sens comme changement, Trippi? Peut-être Solaire qui va peut-être sortir. Un milieu de terrain aussi. Peut-être faire entrer. Ça dépend. Bernat à échauffement serait peut-être pour Pembele également. Je sais pas si Bernat peut jouer à droite, mais. Ou Nuno Mendes, hein. Ou Nuno Mendes, peut-être un peu. Amoindri. Subit quelques coups. Danilo. Allez, cherchez le. Avec Zaire Emery. On revient vers Sergio Ramos. Verratti. Les Parisiens qui prennent leur temps pour l'instant, qui font tourner ce ballon, qui attendent que ça se débloque. Zaire Emery, la très belle prise de balle, la super passe en profondeur vers Pembele, malheureusement. Derrière, ça n'a pas pu trouver un bon centre, c'est contré. Mais quelle passe de Warren Zaire Emery ici dans l'intervalle. À cet enchaînement à 3 des Parisiens, combiné par Zaire Emery, Solaire et Pembele, trouvé dans l'espace. Après le bon retour de d'Honora pour contrer ce centre. Le corner de Léo Messi, premier poteau, dégagé par la défense brestoise. Et touche pour le Paris Saint-Germain. La touche. Mbélé. En retrait. Vers Zaire Emery. Ramos. Avec Nuno Mendes qui a bien anticipé ce ballon. Qui va pouvoir servir.
Côté gauche, Fabien Ruiz. Mbappé qui a fait l'appel de balle. Mbappé le crochet, ça ne passera pas. Derrière le petit coup de physique, la faute de Kylian Mbappé. Qui commence à s'agacer un petit peu, Kylian Mbappé, Trippi. Bah, il est surtout énervé de la faute non sifflée quand il a reçu la gorgette, quoi. Ah, surtout que c'était le même joueur. Merci Léa pour le commentaire. Allez, encore une demi-heure dans ce match. Toujours un partout pour l'instant entre Brest et le Paris Saint-Germain. On aperçoit le petit carnet de Christophe Galtier. Ah, le zoom qui en dit long. On voit écrit Léo, Kylian. On voit écrit beaucoup d'informations, mais les caméras sont de qualité et puissantes. Hein. Là, ça manque de spontanéité là. Là, le 1 partout est bon pour Brest. Ouais, ils sont en train un peu de nous endormir là, les Brestois. Marco Verratti, pour donner un peu de mouvement, un peu de vie dans ce cœur de jeu parisien, avec Léo Messi. Verratti, qui va écarter à gauche vers Nuno Mendes. Allez. Nuno Mendes, il va revenir derrière sans solution. Allez, faire tourner ce ballon rapidement, Sergio Ramos. Le PSG très très haut, hein, qui cherche une solution. Zaire Emery qui revient en retrait vers Marco Verratti. Ça, c'est une passe à 10, hein. Verratti. Nuno Mendes, Mbappé, allez, faut trouver la différence, on l'a fait ici, maintenant faut finir, Léo Messi dans la surface, ça revient sur Mbappé, Mbappé, un contre un, Mbappé, oh, ça passera au-dessus, oh là là. Qu'est-ce qu'on a ce soir dans la finition, Trippi, il y a un truc qui va pas en finition, vraiment, je trouve qu'on a beaucoup d'occasions, mais on a de la peine, on peine à finir, qu'est-ce qu'il nous fait, Mbappé, il ouvre trop son pied, c'est pas dans son habitude, il la prend en dessous, donc le ballon il monte. Ouais. Il se l'emmène pas comme il veut. Derrière. Il arrive pas à bien l'enrouler comme il le souhaitait. Attention là, il faudra procéder à des changements. Hein. Un manque de réalisme hein, du côté parisien pour l'instant ce soir. On rate tout. C'est vrai qu'on n'a pas forcément le. La meilleure efficacité ce soir. On a connu un PSG plus tranchant, moins gentil. On leur donne des cadeaux. Beaucoup de situations. Caramba. Danilo. Avec Mbappé qui a décroché. Léo Messi. Moi je te l'annonce, Trippier, le but d'Mbappé il va arriver. Très rapidement. Je le sens bien ce petit but de Kylian Mbappé. Faute. Prochain buteur Mbappé, je le sens bien. Enfin, je l'espère en tout cas. Attention à ce centre. Oh là là, le dégagement de Donnarumma. L'action dangereuse là pour les Brestois. Et derrière Nuno Mendes qui peut repartir. Le contre avec Nuno Mendes. Qui va perdre cette balle. Le bloc parisien qui était divisé en deux. Il n'était pas accompagné à Nuno Mendes. Et les Brestois qui vont pouvoir repartir. Construire. On les sent vraiment bien mieux hein, qu'en première mi-temps. Ouais, en fait, ils maîtrisent un petit peu, même si ils se font peur par moment car les Parisiens arrivent à rentrer dans leur surface. Mais au final, il n'y a pas d'incidence. Allez, on va retrouver Marco Verratti. Côté gauche. Avec Kylian Mbappé. Mbappé face à deux joueurs. Hein. Il est passé. Léo Messi. L'appel de Mbappé. Carlos Soler qui a intercepté ce ballon avant. Zaire Emery. Vient se proposer dans le jeu. Ah, c'est dommage. Andrew Ramos. On a une bonne situation encore. Là, il y a du monde. Hein. Les Parisiens très très haut. Attention au compte tout de même, mais c'est là qu'il faut créer un peu de génie, un peu de. Une petite touche de créativité pour passer ce bloc brestois. Une petite talonnade, une petite déviation, il faut un truc. Allez, pourquoi maintenant?
avec Zaire Emery. Une petite louche, un petit truc sympa. Super ça. Léo Messi, la frappe de Messi, détournée par Bizot. Il y avait une super remise, ça revient. Le centre deuxième poteau ne donnera rien. Honora qui va dégager ce ballon. Mais il nous fallait un petit truc et on l'a vu ici. Le petit 1-2 à situation pour retrouver Léo Messi. Oh la belle passe, encore une fois. Je pense que c'est Warren qui a fait cette passe pour Messi. Oh, ouh, la touche de Pembele. Oh, ça glisse. Ouais, il a glissé. Et la balle rendue au Brestois. Et derrière, ça va être vite récupéré par les Parisiens, on l'espère. Pour l'instant, ça reste dans les pieds brestois. Ils sont bien mieux hein, dans la gestion du ballon. Et les Parisiens qui pressent un peu moins également qu'en première mi-temps. On avait un PSG qui pressait un petit peu en première mi-temps. Là, je sens, Trippi, qu'il y a un peu moins d'intensité dans le pressing également. Ouais, bah, il y a eu beaucoup d'efforts. Il y a eu un match aussi... Mercredi. Ouais, il y a eu un match. Excuse-moi, je t'en regardais l'action, c'est pour ça. Ouais, c'est bon. Ouais, il y a eu un match mercredi, donc il y a aussi pas mal de fatigue, surtout psychologique et physique aussi, parce qu'il y a Verratti qui est sur le terrain, Fabien Ruiz aussi qui a joué, Ramos, Danilo, Warren aussi qui est rentré, Nuno Mendes aussi qui a joué. Donc voilà, il y a des joueurs sur le terrain qui ont fait beaucoup d'efforts. C'est surtout psychologiquement qu'on met plus de temps à récupérer. Donc quand on n'a pas cette fraîcheur mentale, c'est vrai que ça peut être un peu plus difficile. On s'agace plus, on est plus frustré aussi. On gère moins nos émotions. Verratti, la super passe, la vallée au Messi. Allez, c'est maintenant qu'il faut la différence. Marco Verratti peut-être pour créer un décalage. Warren Zaire Emery qui a vu le deuxième poteau. Il va tenter sa chance. Ce sera encadré malheureusement, mais c'était osé. On l'a tenté, il a raison. Alors on voit ce décalage qui a été fait avec Zaire Emery et Carlos Soler. Retrouver Messi. C'est ce qui manquait, hein, ce genre de petit truc. Et derrière la superbe envolée de Bizot qui vient. Ah, j'avoue, il attendait. Hein. Il s'est placé, ce ballon. Bien placé. Ouais. Il est sorti du côté du stade brestois. Mounier qui cède sa place pardon, à Le Douaron. Premier changement de ce match. Premier changement du côté de Brest. Côté Parisien, on n'a pas encore de changement. On avait Juan Bernat à l'échauffement avec Ekitike et avec Vitinha au milieu de terrain. Allez, un 2-1 PSG, nous dit Nessibé sur le chat. Ça va arriver. On espère. Ça va arriver. Allez, le pressing du Paris Saint-Germain. Un peu plus haut. Sergio Ramos. On espère. La relance, un peu compliquée ici. Attention, nouvelle occasion là pour les Brestois. Derrière, le coup de physique de Zaire Emery qui est sanctionné. C'est gentil. Ouais, attends, à voir. C'est très gentil, c'est un coup d'épaule. Ah, c'est gentil de fou. C'est un coup d'épaule d'un jeune qui vient d'avoir 17 ans. Faut se muscler un peu, monsieur Duverne. En tout cas, l'intensité. Warren Zaire Emery. Le physique. On sent qu'il l'a déjà. Ça fait plaisir de voir ça. Attention à ce coup franc. Bien placé là pour le stade de Brest. C'est bien. Repoussé par la défense parisienne. Ben Ruiz pour relancer. Le ballon perdu. Dari qui va venir centrer. Intervention de Danilo. Ça revient dans les pieds brestois. Attention la frappe. Il passera à côté. On les laisse un peu trop jouer là les brestois. Magnetti qui voit son tir dévissé heureusement. Mais dans situation également pour Brest. On est un peu trop gentil, trop généreux là dans les ballons pour Brest. Allez, Nuno Mendes qui part en profondeur. Là, faut le servir. Nuno Mendes dans la surface. Nuno Mendes, allez, tente ta chance. Le crochet. Nuno Mendes frappe pied droit. Repoussé par Bizot qui multiplie les parades. Oh là, et corner. Oh là, c'est dommage. Ah, c'est son jour, Bizot.
Ah ouais, là, fait son là match. les passes clés, les arrêts clés, là, il les a. Oh là là, quel crochet hein, de la part de Mendes. Dommage que la frappe pied droit soit pas aussi puissante que le corps de Nuno Mendes qui est très puissant. Le pied droit mérite encore un peu de travail du côté de Nuno Mendes, mais c'était bien joué tout de même. Allez, corner. Pour le Paris Saint-Germain. Marqué sur corner, pourquoi pas. Ce serait bien. N'importe quel but on prend. C'est joué à deux corner. Mbappé vers Messi, la perte de balle des Parisiens. Alors, en plus, on fait monter beaucoup de joueurs hein, sur ce corner. Et derrière, attention à la contre-attaque, ça peut aller vite. Heureusement que les Brestois ont pris leur temps. Et le bloc parisien a pu se replacer. Attention tout de même, Dembélé qui sera le premier ici. La touche pour Brestois. Ah, c'est dommage. Hein. Will Messi take a penalty in this half? I think if there is a penalty, it's gonna be Kylian Mbappé. Attention, le stade Brestois dans la surface parisienne. Et hors-jeu. On va revenir à hors-jeu. Signalé. Signalé très tard. Allez, Trippi. Encore 20 minutes. La possession, c'est Brest qui l'a, même un petit peu, hein, 51%. Donc, c'est sûr qu'en deuxième mi-temps, ils ont été mieux. On va avoir un changement côté parisien, Trippi. Ça va être Vitinha qui va rentrer. Léo Messi. Qui avait créé le jeu ici dans l'axe, mais. Malheureusement, ce sera contré. Vitinha à la place de Carlos Soler, tu penses? À la place de Fabien Ruiz. Ou sinon de Verratti. Après, c'est un des trois. Hein. Vous avez Emery. Peut-être. Mbélé au duel sur le côté gauche. Timothée Pembélé, le très bon tacle derrière. La balle qui va finir en corner tout de même. Stade Brestois. Il est bon ce tag de Timothée Pembélé. Faut rester vigilant. Parce que les coups de pied arrêtés, c'est des armes très dangereuses, on le sait. Toujours pas de changement pour l'instant. Vitinha qui reste sur le banc, qui va rentrer après. Ben Ruiz qui dégage ce ballon. Récupération brestoise. Alors qu'il reste un peu moins de 20 minutes dans ce match. Allez, faut se relancer un petit peu. Ce match, il est important également pour nous les Parisiens quand on sait que on a 8 points d'avance pour l'instant sur Marseille, mais il ne faut pas réduire cette avance, Trippi. Ouais, exactement. Parce que le PSG n'aura pas que des matchs faciles en cette fin de saison. Il y a un PSG-Rennes qui arrive, il y a un PSG-Lyon, après un Nice-PSG, un PSG-Lens. Rien que les 4 prochains matchs, Trippi, c'est pas des cadeaux. Hein. Rennes, Lyon, Nice, Lens. C'est des clubs qui sont habitués à jouer dans les parties hautes du championnat. Et derrière, on aura ensuite Angers, Lorient, Troyes, Ajaccio, Auxerre, Strasbourg et Clermont. Mais tous les matchs seront compliqués parce qu'on sait que la fin de saison, Trippi, c'est des matchs qui sont d'autant plus importants également pour les équipes parfois moins bien classées qui vont vraiment encore plus se donner. En début de saison, on sait que le maintien se rapproche parfois. Ouais, ouais. Il peut y avoir encore plus d'intensité dans des matchs des adversaires moins bien classés. Léo Messi, l'ouverture vers Kylian Mbappé. Allez, pourquoi pas Mbappé? Le crochet, Mbappé qui attend une solution. Kylian Mbappé, pied gauche! C'est capté par Bizot. C'était trop axial, malheureusement, ouais, l'enchaînement était bon. Oh, il y avait Soler sur le côté gauche. Ouais, Soler qui avait fait un bel appel également. Il n'a pas été servi ici. Et ça revient ce ballon dans les pieds. Brestois maintenant, la transversale, côté gauche. Vitinha qui n'est pas encore rentré, hein, si je me trompe pas, non. Il devrait plus tarder hein, pour Vitinha.
Il faut marquer maintenant dans les rangs parisiens. Il reste plus qu'un quart d'heure. Danilo la tête. Oh là là, faute de Marco Verratti. C'est très gentil, ça, cette faute. Ouais, comme d'hab, mais bon. C'est vrai qu'il y a faute. Il le pousse dans le dos. Le ballon qui roule. Double changement. Juan Bernat qui va rentrer. Qui va remplacer, je crois, Pembele. Numéro 29, Timothée Pembele. Oh, je l'avais vu, ce changement. Je ne sais pas d'où, Trippi, mais je l'avais vu, ce changement. Pembele qui sort. Et du coup, Juan Bernat qui va peut-être jouer en défenseur droit. Et Fabien Ruiz qui va sortir pour Vitinha. Non, il n'a pas joué défenseur droit. Il est parti sur le côté. 3 derrière, du milieu. Je pense que c'est Soler qui va occuper le côté droit. Ah, peut-être. Et Nuno Mendes un peu plus loin. Non, c'est Warren qui va écouter. Je pense que c'est Warren qui va occuper le côté droit. Oui, Warren Zaremi qui a souvent été essayé également côté droit plusieurs fois. Donc ce serait pas étonnant de le voir également côté droit. Del Castillo qui sort, entrée de Félix Le Maréchal. Del Castillo, auteur d'une passe décisive vers Franco Nora à la 44e minute. Il va rester un bon quart d'heure en cette seconde mi-temps. Kiki de Bondy, Kiki de Paris. Compte sur toi, Kiki. Et pour l'instant, assez bien Warren Zaremri qui est sur le côté droit. Avec Danilo un peu plus bas. J'ai presque l'impression qu'on est sur une défense à 3. Non, on est pareil. Avec Juan Bernat. C'est une défense à 3, c'est Bernat qui est dans l'axe. Ouais, c'est ça. Juan Bernat dans l'axe. Et sur les côtés, en piston, on a donc retrouvé Zeremri et Joe Mendes. Ouais, on va écarter au maximum ce bloc. Juan Bernat qui est vraiment bien sur le côté. Allez, Danilo. Réussir à percer cette défense brestoise. Danilo, super passe vers Warren Zaremri. Un peu esselé. Le titi parisien qui va revenir derrière. Qui est sorti? Fabien Ruiz et Pembele. Un mauvais contrôle là de Nuno Mendes. Et un peu de déchets également, un peu de fatigue dans le rang parisien. Verratti. Avec Carlos Soler. Avec Kylian. On l'attend, ton but. Il va arriver. Nuno Mendes. En profondeur vers Mbappé. Justement, il est passé Mbappé. Ah, et derrière, il sera un peu trop court. Il avait réussi à devancer le gardien. Malheureusement, derrière, il a poussé le ballon un tout petit peu trop loin. Il n'a pas pu le reprendre. C'est dommage. Pourtant, il l'avait à peine poussé. Il a perdu ses appuis. Ouais, en esquivant le gardien. Ouais. Et c'est un 6 mètres pour Bizot qui pour l'instant fait son match. Le gardien brestois qui pose beaucoup de problèmes aux Parisiens. Mais bon, ce n'est pas terminé. Il va rester encore un petit quart d'heure avec temps additionnel. Marco Verratti. Avec Messi qui a décroché, qui va servir en profondeur. Nuno Mendes, quelle passe pour Nuno Mendes dans la surface. Nuno Mendes, le 1v1. Oh là là, il n'y aura personne au retrait. Nuno Mendes qui n'a pas tenté sa chance ici. Je sais pas s'il a cherché un centre ou si c'est raté. Il est trop rapide. Non, il a pas tenté. Il est trop rapide. C'est-à-dire que là, il est tellement rapide que le ballon, il est même pas encore bien positionné qu'il essaie de frapper. Regarde, tu vois. Ah, c'est ça, ouais. Il est trop rapide. C'est-à-dire que le ballon était en l'air, il était déjà devant presque devant le ballon, il était déjà devant le ballon. Nuno Mendes qui a été trop rapide ici. Alors que vraiment il avait le temps. Ah ouais. Et là, du coup il reprend mal cette balle. Ah, ils s'en sortent bien les Brestois pour l'instant. Ils s'en sortent très très bien. Tout leur sourire, on a l'impression, Trippi. Tu vois là. Ouais. Limite, tu vois, son pied d'appui, il se bloque, il peut même se faire très mal. Il est trop. En fait, il a été trop rapide dans son exécution.
Et derrière les Brestois qui vont gagner du temps. Il n'y a rien du tout. Messieurs, il est temps de vous relever. Forcément, s'ils peuvent gratter un point, le Stade Brestois contre le PSG, ce serait inespéré pour eux. Et ils vont tout faire pour le garder, ce point, pour l'instant. Fadiga qui est resté au sol, qui commence à se relever ici. Je crois qu'on demandait le changement. Ouais, on demande le changement pour le défenseur Noah Fadiga. Et Hugo Ekitic qui va rentrer dans les rangs parisiens pour ces 10 dernières minutes. Alors, qui va sortir pour Hugo Ekitic? Ce sera Carlos Soler, le buteur parisien du jour. Pour un profil un peu plus offensif, Hugo Ekitic qui rentre pour ces 10 dernières minutes. Apporter un peu de pression devant la surface brestoise. Et Erel qui va rentrer du coup côté brestois à la place de Fadiga. Qui est sorti, Noah Fadiga. Troisième changement pour les Brestois. Et dernière session de changement. Allez, il reste 10 minutes. Messieurs, c'est maintenant. La relance pour le Stade Brestois. On aperçoit également les ultras parisiens qui donnent de la voix à Brest. Pourtant, c'est pas à côté, hein, Brest et Paris, mais ils ont fait le déplacement. C'est 6 heures de route en voiture. C'est pas rien, 6 heures de route. Et en train, c'est quoi, 4 heures 4-5 heures en train? Pareil. Pareil, 6 heures, heures C'est 5 heures en train. Et on a plus le temps d'aller au train. Ça revient à peu près au même. Ouais. Marco Verratti. Avec Léo Messi. À droite, Zeremri qui a un peu d'espace. Zeremri qui va attendre une solution. Rejoint en retrait. Vers Danilo. Vitinha qui vient de rentrer. Vitinha, la petite passe. Vers Mbappé, on ne parviendra pas à le trouver. La balle qui revient dans les pieds de Bizot. Le pressing de Ekitic. Et le gardien néerlandais qui se saisit du ballon. Pas facile, hein. Pas facile du tout ce soir. C'est pas évident, on le reconnaît. Ces matchs d'après Ligue des Champions ne sont jamais faciles pour le Paris Saint-Germain. La touche pour Duverne sur le côté. La combinaison brestoise avec Franck Honora. Il va pouvoir centrer de l'extérieur du pied. Oh, c'était bien joué. C'était pour nous régaler cette toupie. Quel extérieur du pied? Je pensais qu'il allait centrer du gauche. Ah, pareil. On apprécie le beau football ici. Sergio Ramos. Qui monte aux avant-postes. Sergio l'est monté. Hein. Ouais. Sergio l'est monté, Sergio. Avec Vitinha, Léo Messi qui va chercher une différence ici, Léo Messi. On revient sur Vitinha. Daniel Pereira. Les Parisiens qui font tourner ce bloc. Allez, il faut trouver une situation. Mbappé la passe en profondeur là pour Ekitic. Ah, il a pas réussi à se retourner, Hugo Ekitic. Il va revenir en retrait. Vers Vitinha, Juan Bernat. Vitinha. Marco Verratti. On fait tourner ce bloc brestois. Il va avoir une faille qui va s'ouvrir. Verratti pressé. Avec Danilo. Messi qui va prendre le contrôle de cette attaque. Messi avec Vitinha. Vitinha qui va écarter à droite vers Zeremri.
L'appel de Vitinha. C'est bien ce qu'ils font les Parisiens ici, mais bonne défense pour l'instant de Brest. Ça va s'ouvrir. Danilo. Allez, continue. Ah oui, il va y avoir un espace qui va se libérer. Faut continuer à les faire courir, ils vont pas tenir tout ce temps, on l'espère. Que les pistons soient larges. Faut pas qu'ils rentrent. Vitinha, Zeremri. Léo Messi, à gauche. Vers Danilo. Mbappé qui va également se mettre à l'ouvrage. Ah, la paire de balles de Kylian Mbappé, la petite faute derrière de Kylian Mbappé. Il s'agace un petit peu, Mbappé. Il a subi des petits coups et forcément, il s'énerve un petit peu. Et de la frustration. Ah, ça en rajoute beaucoup. Et derrière, les Brestois qui essaient de gagner un peu de minutes, forcément. Le carton jaune pour Mbappé. Et également pour Belkebla. Allez, il va rester 5 minutes dans ce match. C'est pas terminé. Mbappé qui a mis un petit coup. Hein. Petite balayette. Et derrière Belkebla qui lui a tenu la jambe. Il a pas apprécié Mbappé non plus. Ouais, non, mais c'était quand même dangereux le geste de Mbappé. Hein. C'est ça, ça pouvait même valoir un rouge. Hein. Le deuxième geste où il remet un petit coup avec le pied, c'est vrai que. Ça ouais, aurait il va l'avoir. Non, il je va pense avoir. Pas. Je pense ah, pas. C'est bon, c'est terminé. Franchement. Ah, s'il nous met la VAR pour ça, alors qu'il n'y a pas eu la VAR pendant tout le match pour les fautes. Heureusement que c'était très léger ce geste d'Mbappé. Il préfère en rire et sourire Kylian Mbappé. Allez, il va rester un peu plus de 5 minutes. Pourquoi pas aller mettre un petit but, Kylian, pour terminer cette soirée d'une meilleure note. On aperçoit le calendrier parisien avec Rennes, Lyon, Nice, Lens et Angers pour les prochains matchs. Les 4 prochains matchs parisiens ne seront pas si faciles. C'est pour ça que perdre 2 points ce soir contre Brest ne serait pas une superbe opération. Et attention parce que ce n'est pas terminé. Le coup franc pour le stade brestois. Le coup franc qui va être tiré par Franck Honora, j'ai l'impression. C'est très 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 lointain, mais ça va être centré. Entre le point de pénalty et Didier Donnarumma. Ou un peu avant Didier Donnarumma, visiblement. Allez, bien défendre, rester vigilant sur ce coup-là. Franck Honora, à la baguette. Côté Brestois, c'est tiré par le joueur et c'est dévié par Nuno Mendes en corner. Corner pour le stade brestois. Alors qu'il ne reste que 2 minutes tripi dans cette rencontre, dans le temps réglementaire, avant un petit peu de temps additionnel. Ça va être compliqué ce soir d'accrocher 2 points supplémentaires. Après, il reste encore quelques minutes, au moins 2-3 occasions. Maintenant, c'est les Brestois qui sont un peu plus dans une dynamique de temps fort. Et c'est vrai que là, on arrive à la 88e, c'est corner pour Brest. Faut faire attention, ne pas prendre ce but qui pourrait faire mal. Le centre deuxième poteau, attention, il n'y avait personne. Ça va revenir dans les pieds brestois. Faut aller laisser centrer, le centre deuxième poteau, la tête qui ne sera pas parisienne ni brestoise. Il n'y a pas eu de tête au final. Et derrière, la reprise totalement manquée. C'est une superbe touche au rugby là, mais le rugby c'était tout à l'heure contre l'Angleterre. Là, c'est terminé. Et changement pour le Paris Saint-Germain. Renato Sanchez qui va rentrer à la place de Warren Zaïre-Emery, peut-être pour aller chercher un but supplémentaire, remet une petite passe, une petite option un peu plus offensive. Allez Renato, vas-y doucement tout de même, mais si tu peux nous mettre un petit but, dis pas non. La relance parisienne sans prendre de risque. 90e minute,
La Trippi, ce que j'espère, c'est Brest un peu plus haut et ensuite une petite contre-attaque avec Mbappé en profondeur. Voilà sur quoi je mise. Trouver Kylian en profondeur. En tout cas, il reste aux avant-postes, Kylian Mbappé. Je pense qu'il y aura au moins 3-4 minutes en plus. Pour y croire, Verratti qui vient dégager ce ballon. Renato Sanchez au duel. Devancer ici. Magnetti. À gauche. Avec Duverne qui revient sur Magnetti. Duverne dans l'axe. Franco Nora, la passe contrée par Sergio Ramos. On va pouvoir relancer. Quelle superbe relance à Nuno Mendes. Vers Mbappé, servi par Léo Messi en profondeur. Mbappé le face à face contre Bizot. Mbappé il est passé. Mbappé à finition. Mbappé qui vient marquer. Qu'est-ce que je t'ai dit, Trippi? Qu'est-ce que je t'ai dit, monsieur Mbappé, servi en profondeur dans les dernières secondes par Léo Messi. Allez hop. 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Non, j'attends quand même de voir s'il y a hors-jeu ou pas. Non, il n'y a pas hors-jeu. J'attends quand même de voir s'il y a hors-jeu ou pas. Parce que là, franchement, c'est grandiose. Quelle passe de Nuno Mendes. Waouh. Ah, Nuno Mendes, cette passe. Il est pas hors-jeu. Ouh, non. Il est pas hors-jeu. Mbappé qui a devancé ensuite Bizot, un contrôle, un crochet où le gardien ne pouvait rien faire. Et derrière, la finition. Il n'y avait plus de gardien. Mbappé qui vient donner 2 points super importants au Paris Saint-Germain à la 91e minute, pardon, de ce match. Et ils sont précieux ces points-là. Et c'est des points qui vont compter. En plus de ça, Kylian Mbappé devient le meilleur buteur de l'histoire du PSG contre Brest. Et en plus, il recolle au classement des buteurs avec Jonathan David à 19 buts. Attends quand même, faut pas trop... Non, c'est validé ce but. On n'a pas encore le retour direct. Ah, pour moi, il est validé, hein. Je vois pas de hors-jeu. Moi, je le valide très bien. C'est vrai que c'est pas encore été validé à 100%. Moi, je le valide tout de même. Ah, si, c'est bon, c'est validé. Si, validé. Oh, là, magnifique. Kylian Mbappé magnifique. Qui vient nous délivrer dans ce match. On retrouve le sourire. Ah, ça va mieux. Mais c'est pas fini, gamin. C'est pas fini. Ah, il va rester encore 2-3 minutes peut-être. On a pas eu le temps additionnel d'ailleurs. Pas de faute ici. Dégage là. Verratti. Vers Léo Messi. Et Kitike qui vient toucher ce ballon en profondeur. Il n'a pas réussi à retrouver Kylian Mbappé. Le pressing de Léo Messi. Il y a 4 minutes supplémentaires. Il va rester 2 bonnes minutes encore. Facilement. Et puis je te l'ai annoncé ce but. Hein. Franchement propre. Hein. Tu l'as annoncé. En plus la passe de Nuno Mendes, ça transperce tout le bloc brestois. Et derrière cette synchronisation, attention à ce centre qui ne donnera rien, heureusement, côté brestois. Allez, Arsène, je te l'ai annoncé, le 2-1 en début de match, c'est vrai, Milopi, je l'avais dit. Oh, il s'accroche au bras de Juan Bernat ici. Il n'y a rien du tout. Mais surtout, ce but part d'une relance magnifique hein, de la part de Nuno Mendes. Le timing est parfait et surtout là, c'est Daré qui se met à la faute. Il doit suivre Mbappé, il doit même pas. Ouais, il a joué le hors-jeu un peu avec une passe de Messi également qui est splendide. Là, tu le suis jusqu'à pareil, tu le suis jusqu'à la mort. Ah, mais j'ai senti un peu que Brest allait pousser dans cette fin de match avec le public et que Mbappé pourrait en profiter en profondeur avec sa vitesse. Et ça a été le cas. Ouh, superbe la Vitinha. Ticket. On ne parviendra pas à retrouver Vitinha, la perte de balle parisienne. Il va falloir se motiver là pour récupérer cette balle. La petite faute parisienne, tant mieux. Là, faut hacher le jeu, là. Que des fautes lointaines. Ah, il va rester une petite minute. Mbappé, heureusement, il vient nous mettre ce petit but pour le moral. Ça fait plaisir. Et le PSG qui reprend de l'avance en championnat. Je vais vous remettre le classement d'ailleurs en bas. Voici le classement actualisé avec 11 points d'avance pour l'instant sur Marseille, qui a une journée de retard, tout comme Monaco, tout comme Lens et tout comme Nice. Mais 11 points d'avance tout de même sur les Marseillais pour l'instant. C'est beau. On espère que ça va durer. On espère qu'on gardera ces 11 points d'avance. Il reste encore 2 minutes. Hein. Ah ouais, il reste sortez les gars, sortez les gars. Minute.
Allez, le centre, deuxième poteau, ça donnera rien. Nuno Mendes qui vient dégager. Je crois qu'il y aura corner tout de même. Corner. Le ballon qui était sorti. Damn. Attention à ce corner. Allez, bien défendre. Ouais. C'est certainement la dernière action. Le corner joué à deux. Non. Verratti, pas de faute, attention. Ça revient, c'est dégagé par Kitike. Il n'y a plus de garde en arrière. Mbappé contre Bizot. Mbappé qui ne parvient pas à récupérer cette balle. La petite faute d'Mbappé même, j'ai l'impression. Non. Il a failli récupérer une balle Mbappé en profondeur ici. Et attention, ça revient dans les petits brestois. Le sang, deuxième poteau. Heureusement, parce que derrière, il y avait du monde. Deuxième poteau, attention les gars, soyez dessus. Ça revient ce ballon. Donnarumma qui s'en saisit. Et ça va être terminé normalement. 95e minute. Gigio Donnarumma qui a ce ballon. Qui reste au sol avec la balle. Et si de toute façon, ça orbite. C'est fini. Il y a un joueur parisien qui est resté au sol. Et après un coup aussi. Ah, si on peut gagner quelques secondes, comme l'ont fait les Brestois pendant ce match, on les prend avec plaisir également. Qui a fait faute? Brassier sur... sur Verratti. Mbappé qui a failli rattraper Bizou, hein. C'était pas loin. Il a dû avoir une certaine pression là, le gardien néerlandais qui est pourtant pas très très rapide. Quand tu vois Mbappé qui arrive à 200 km derrière toi. Et c'est terminé ce match. La victoire 2 buts à 1 du Paris Saint-Germain. J'ai vu le petit truc sur le côté qui indique que c'est terminé. Sur l'écran, ce n'est pas encore indiqué, mais voilà, ça va être sifflé dans 2-3 secondes. Trippi, petit résumé de cette victoire parisienne. Franchement, match très compliqué. Très compliqué. Car en deuxième période, les Brestois ont pris confiance par rapport au but qu'ils ont marqué. À la 44e minute par Franck Honora. Donc ils ont pris confiance, ont commencé à jouer, à dérouler. Nous, on a eu du mal un petit peu à essayer de récupérer les ballons. Il y avait peut-être aussi une fatigue de la part des Parisiens. Mais au final, dans les derniers instants, Mbappé délivre le Paris Saint-Germain sur une belle passe de Messi en profondeur. Mais ce fut dur après un match joué face au Bayern et cette élimination. Jouer à l'extérieur face à Brest, face à une équipe qui joue aussi sa survie. Bah, je veux dire chapeau aux Parisiens d'avoir gagné. Ah, quel but de Kylian Mbappé hein, sur la fin. Le mental des Parisiens qui a fait la différence ici. Et qui nous permet au classement, on le voit juste au-dessus de nos têtes, en dessous de nos têtes. 11 points d'avance maintenant sur l'Olympique de Marseille qui va se déplacer. Qui va recevoir, je crois, pardon, Strasbourg lors du prochain match. Également une belle avance maintenant sur Monaco et sur Lens. Mais ce but peut être très important, Trippi, également sur le point comptable. Hein, quand on le sait que le championnat n'est pas terminé. Mais avec une avance comme celle-ci, forcément, ça met des Parisiens dans une belle dynamique. Quand on sait également les prochains matchs des Parisiens qui ne seront pas si faciles. On vous les montre également, les prochains matchs du Paris Saint-Germain. Avec Rennes, Lyon et Nice pour les prochains matchs, PSG-Rennes le 19 mars pour le prochain match des Parisiens dans 8 jours. Non mais c'est bien de, comme je dis, d'avoir gagné ce soir face à Brest car le match était, c'était pas évident. Il manquait du réalisme pour les Parisiens. On a vu la XG là, elle était à 2,43 pour les Parisiens. Donc ça fait quand même beaucoup. Et maintenant, bien récupéré. Parce que pour le coup, on aura du temps de bien préparer les matchs, car il n'y aura plus de matchs qui va venir se faufiler dans le calendrier en plein milieu. Il y a aussi après le 19, la trêve. Donc il y aura une bonne régénération de la part du groupe pour pouvoir attaquer ce sprint final et aller chercher ce 11e titre. Voilà, et juste avant, il faut bien sûr tout donner pour avoir un maximum de points avant cette trêve justement internationale. Ce 11e titre qui se rapproche pour les Parisiens. Et surtout, aujourd'hui, 19 buts pour Mbappé en Ligue 1. Mais surtout, le 3000e but de l'histoire du Paris Saint-Germain en Ligue 1 pour Kylian Mbappé. Et ça, c'est une stat assez grandiose, Trippi. Ouais, et puis c'est lui qui le met. Donc il rentre un peu plus dans l'histoire du club, ce 3000e but. Le fait d'être meilleur buteur aussi avec 202 buts maintenant au compteur. Donc c'est quelqu'un qui nous épatera, même dans un match un peu fermé où on l'a très peu vu, c'est lui qui, par une passe de Messi, qui arrive à délivrer le Paris Saint-Germain. Mais chapeau aux Parisiens, parce que c'est vraiment pas facile.
de jouer un match après une élimination face au Bayern. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Trippier encore une fois pour tes commentaires, pour toi, ton expertise, toi qui as joué à Brest et au Paris Saint-Germain. Bien sûr, un peu plus au Paris Saint-Germain si on compte la formation en termes de match. Un peu plus à Brest si on compte le nombre de matchs pro. Mais merci Trippier une fois de plus d'avoir été présent pour cette victoire parisienne. On se retrouve très prochainement PSG Rennes lors du week-end prochain, dimanche 19 mars. Merci au chat sur YouTube et sur Twitch. Merci d'avoir été là. On vous souhaite de passer un très très bon week-end Trippier et je te laisse le mot de la fin. Écoute, passez un bon week-end, reposez-vous, profitez de votre famille et puis à la semaine prochaine pour le prochain match. Allez, à très très vite et allez Paris. Ciao. Ciao.